préparer ton accueil. Bonsoir à toutes et à tous. On est encore ce soir en compagnie de LL de Mars de la chaîne Bande Dessinée qui vient nous aider à décrypter le solfège de l'objet sonore de Pierre Schaeffer. Et il y a déjà eu 3 sessions, mais si vous prenez en cours, je pense que vous allez quand même y trouver nourriture intéressante. Mais salut Gabriel. Salut Gabriel. Et si vous avez envie d'aller regarder le précédent épisode, il est, je vais vous mettre le lien. Alors, je ne sais pas comment faire, nouvel onglet. Voilà. Il sera, hop là, il ne faut pas le lancer par contre. Voilà. Ça, c'est si vous avez envie d'aller voir le précédent épisode. On vous l'a mis sur la chaîne Insomnie. Donc ma chaîne YouTube, on l'a mis exprès pour que vous puissiez faire du rattrapage. Je vois que le micro Razer va beaucoup dans le rouge, regarde, tu vois. Oui, c'est Laurent, pas grave, t'inquiète pas trop de ça. Pour la technique, vraiment, là. Non, ça va, vous m'entendez pas trop fort parce que ça sature vachement. T'inquiète pas, ça doit aller. Je pense que ça sature. Et pas. Donc nous allons être... Merci. Nous allons être avec Pierre Schaeffer ce soir encore une fois. Donc solfège de l'objet sonore, on rappelle que c'est 1964 ou je me trompe? Allez, j'ai oublié. j'ai oublié, je sais plus. Je crois que c'est ça. Donc 1964 et avec Rebel. Ouais, il a fait ça avec Guy Rebel, dont on entendra un petit bout de musique d'ailleurs. Et je crois qu'on en avait écouté dans la première session, si je me souviens bien. Ah oui, donc j'en ai... Ah non, j'en ai pas mis aujourd'hui. Non. On aura du Schwarz, okay. Du Parmigiani, du Ferrari, mais pas de Rebel, autant pour moi. Voilà, donc Laurent a préparé une playlist pour qu'on écoute. Donc la dernière fois, on écoutait plutôt des choses bruitistes, ouais, si ça. Je me souviens c'était bien. Un programme exclusivement et bruitiste. Ce soir, on va écouter de l'électro. Ben, la musique acousmatique, effectivement, plutôt sur du matériel électronique, quoi, essentiellement. Pierre Schaeffer va venir. Est-ce que Pierre Schaeffer... Il est avec nous, j'ai fait tourner une table tout à l'heure et il a tapé 3 fois. Ben, on a un guéridon, donc on parle sous son... Comment on appelle ça? Sous sa houlette, sous son autorité. Donc, dès qu'on dit une bêtise, il nous donne des petits coups sous la table. C'est ça, concerto pour un guéridon et un bâton. Et on a prévu aussi de vous parler d'autres choses. Laurent va préparer des surprises, je crois, ce soir. Ouais. On verra ça tout à l'heure, mais normalement, on ne devrait pas s'ennuyer. Ouais, l'idée, c'est de vous faire une petite démo du fonctionnement de base, hein, d'un synthétiseur. Donc, vous essayez de vous expliquer comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, quels sont c'est dans cette floppy de boutons que vous voyez sur un synthé, à quoi ils servent, à quoi ils correspondent, un synthé de base, le bon vieux synthé analogique de base. Essayez de comprendre un peu ce qui se passe et quels sont les différents opérateurs qui permettent de comprendre la trituration d'un signal électrique pour obtenir des variations sur un son. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça vous j'espère que ça marchera surtout parce que... Oui, que la technique marchera bien, mais apparemment Laurent ne s'en mêle les pinceaux que quand on a une bande magnétique des années 70. Ce soir, sémiotique du bon tympan. Exactement, c'est ça. Exactement. Pour le bon tympan. Donc, on était parti. Ah, je vais être très loin pour lancer les sons. Donc, ah bah, je peux le faire pour toi, le feras. Si tu me dis stop encore. Donc, quoi rajouter On peut dire où on en est. On en est au sixième thème de réflexion. C'est-à-dire le timbre des sons et la notion d'instrument. Hein, vous vous souvenez, on avait été très surpris la dernière fois de voir que le timbre, donc c'est cette chose qu'on associe plus précisément à tel ou tel instrument, c'est quasiment son costume d'apparat, c'est le caractère vraiment distinctif, un caractère un petit peu moins scientifique que les autres, qui dépend de toutes les variables qui lui donnent son chatoiement propre, sa granularité propre. Oui. Et en fait, on a découvert qu'il dépendait de plein d'autres trucs. C'est-à-dire qu'on a entendu une flûte avec une attaque de piano, hein, à un moment donné, si je me souviens bien. Et... C'est-à-dire qu'en fait, quand on coupe d'une certaine façon, en biseau, j'imagine, je ne sais plus comment il faisait, il coupait le son d'une certaine façon. Au ciseau, directement dans la bande magnétique. En biseau, voilà. On en avait fait nous-mêmes une démo, je crois. Eh bien, on pouvait pas reconnaître le son de flûte, on pouvait pas distinguer le timbre d'une flûte d'un piano. C'était vraiment la même attaque, le même son. Et ça nous a bien épaté. Une fois de plus, il nous a bien épaté, Schaeffer. L'attaque. Et il faut dire...
Change de timbre. Il faut dire que du bien parce que sinon il nous donne des petits coups sous la table. Donc, Schaeffer, merci, super, ouais. Alors aujourd'hui, on va d'ailleurs, on a évoqué la dernière fois à propos de ça, puisqu'il était question dans la leçon précédente de la façon dont l'enveloppe affecte le timbre et de façon assez radicale. On va pouvoir voir enfin les éléments de l'enveloppe, hein, donc le sustain, le delay, etc., le decay et l'attaque. Donc c'est ces choses qui définissent plus ou moins les moments de l'enveloppe. Sur le synthétiseur. Et donc l'enveloppe, ça correspond au timbre finalement. C'est ça qu'on interprète comme du timbre. Parce que j'ai l'impression, comme le disait Schaeffer, que le timbre, c'est ce qu'il y a de plus vague. Dans les paramètres du son, on avait la longueur d'onde, on avait la fréquence, on avait l'intensité. Dans les paramètres du son, Schaeffer, je crois, disait que ce qu'il y avait de plus vague à définir, c'est le timbre. C'est comme si c'était une interprétation un petit peu. C'est la singularité. C'est, ouais. C'est ce qui va vraiment caractériser le fait que vous ayez affaire à tel ou tel instrument. C'est ça, c'est une granulation particulière. C'est ça. C'est plein de facteurs qui le déterminent. Il y a un facteur de bruit qui est important. Il y a la dynamique même du son. Il y a la répartition des fréquences du spectre. La durée du son, on avait vu ça aussi. Donc leurs relations entre elles, qui vont être différentes selon les instruments de musique, et selon que ces différentes parties du spectre sont harmoniques ou non entre elles à l'intérieur du timbre. Et ce qui fait que quand vous jouez à la même hauteur de tel ou tel instrument, malgré tout, la sensation est complètement différente à cause du timbre. On avait timbre vu que... de clarinette, timbre de piano, timbre de cuivre, timbre de coup de bâton sur d'un flic. On avait vu que ça sonne creux. En fait. Bah oui, ça sonne très très creux. On avait vu que salut Stéga Larsson. Ça dépendait beaucoup aussi de la je sais pas si on peut dire résonance, mais de la durée de la note finalement qu'on faisait. Que si on avait des instruments qui étaient très résonants, le timbre nous apparaissait complètement différent, mais que c'était une impression parce qu'en fait dès que on prend l'onde sonore et qu'on la triture, ça disparaît très facilement. Si on met un filtre sur cette espèce de durée du son qui génère beaucoup d'harmoniques finalement. Par exemple, moi je joue de la harpe. Quand tu joues de la harpe et que tu fais un fa ou un do, tous les autres fa et tous les autres do, et d'ailleurs c'est mieux qu'ils soient tous fa bécard si tu joues un fa bécard, ils vont résonner, ils vont poursuivre ton son d'une certaine façon. Les autres cordes vont résonner, le son va durer très longtemps, la corde elle-même va vibrer très longtemps et ça donne un timbre particulier. Quand tu pinces ou quand tu frottes, c'est pas le même timbre. Quand tu souffles, ça va pas être le même timbre. Quand tu chantes aussi. On a plus ou moins de capacité d'intervention sur cette notion. Toi, tu peux étouffer tes cordes, les faire taire, les ralentir. Mais il y a des choses que tu contrôles pas tant que ça, qui sont propres au timbre de ton instrument. Donc, de la même manière qu'avec une clarinette, tu peux effectivement, comme on l'a fait la dernière fois, faire des effets de montée, des effets de descente qui sont contrôlés par le souffle. Si tu lâches un son net et bref, la mort de la note, elle, tu n'en es pas maître. Elle est propre au timbre de ton instrument, à sa résonance propre, etc. Et ce qu'on a vu par rapport à ce que tu décris, donc à savoir l'enveloppe propre qui permet de reconnaître le timbre de ta harpe, c'est que si on appliquait cette enveloppe-là à un tout autre instrument qu'on allait piocher électroniquement, alors le timbre était méconnaissable et on n'interprétait pas du tout la sonorité comme appartenant à l'instrument que nous croyons être en train d'entendre. Ça veut dire que cette question de timbre, on a vu qu'elle n'était pas... Enfin, elle est assujettie à plein d'autres propriétés. Il n'y a pas qu'une granulation. Si on met des fils, l'attaque, il y a toutes ces choses. Et il y a aussi le fait que... Moi, je pense que la vue, on en avait parlé, je crois, l'autre fois, que le fait qu'on sache que c'est un instrument avant ou un instrument percussif ou un instrument de corde frottée ou de corde pincée, on a une idée préconçue du son qu'on va entendre. Comme à une époque, on disait que la viole de gambe, c'était la voix humaine, ça ne nous viendrait pas à l'idée, mais après, les ondes Martenot, on a dit que si ça appartenait au chant de la voix humaine, on pouvait confondre avec une voix humaine. D'ailleurs, on rajoutait aussi une espèce de harpe sur les ondes Martenot qui faisait vibrer en sympathie. Oui, salut, Strigal Larsen. Je pense qu'il y a quand même une influence interprétative, je vais dire psychologique, qui peut être présente. C'est-à-dire que si on nous cache vraiment les yeux et qu'on joue plusieurs instruments, est-ce qu'on saura avec l'attaque sur une note brève, par exemple, si c'est un instrument, quel est l'instrument ? Ça peut être très compliqué. Il y a une relation sociale au son. Cette relation sociale, c'est le contexte dans lequel le son est émis, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
on a une certaine culture sonore Mm. et des attentes par rapport à cette culture sonore qui Ouais. prédispose à concevoir, salut à toi Zaziop, à concevoir le son que l'on reçoit dans un certain champ auquel on l'assigne, et ce qui fait que, effectivement, dans les expériences de modification d'enveloppe, on ne reçoit pas l'information que nous attendions, et nous recevons ce qu'on pourrait appeler une information culturelle. On Ouais. reçoit une information culturelle de percussion, une information culturelle du souffle émis, et ça c'est propre aux fameuses enveloppes. On reconnaît à la fois culturellement et peut-être psychoacoustiquement un instrument avant, mais surtout culturellement, et à cause de ça, toutes les autres variables du timbre sont reçues avec cette information, d'une certaine manière, elles lui sont subordonnées. Donc cette condition sociale du son, elle est fondamentale finalement pour la réception qu'on en a. Et c'est aussi pour ça que la musique acousmatique, donc celle de Schaeffer, insiste tellement par la suite, quand on produit de la musique acousmatique, à décoller le son de son origine, c'est-à-dire à casser J'allais justement parler le de ça. marqueur social. J'allais parler de ça aussi. Et il n'y a pas que le marqueur social et les conditions sociales. Le timbre, il va être aussi perçu différemment suivant ce qui précède, c'est-à-dire de façon horizontale, suivant ce qui précède ou ce qui va suivre, mais aussi en fonction de l'environnement sonore, les autres instruments, c'est-à-dire de façon plus verticale. Si une flûte joue avec un violon, je le fais très souvent par exemple dans l'ensemble baroque, quand on fait jouer des flûtes avec les violons, on a comme un violon qui se flûtise, je ne sais pas comment dire. Et suivant les notes qu'on aura, donc de façon verticale, l'environnement va jouer sur notre perception du timbre. Le timbre va être modifié des deux instruments, par exemple, certains instruments quand on les accole, mais aussi de façon horizontale, la note qui va, toutes les notes qui ont précédé, toutes les notes qui vont suivre. Et j'imagine, même si je ne connais pas beaucoup les musiques contemporaines, j'imagine que beaucoup de compositeurs ont joué avec cet effet, à savoir de tromper le spectateur, parce que c'est ça, les compositeurs, ils adorent faire ça, ils adorent déjouer toutes les règles. S'il y a des règles, autant en solfège aussi, c'est pour pouvoir les déjouer, ça. On sait bien qu'il y a toujours eu ça chez les compositeurs. Donc, de vouloir déjouer, mais comme un artiste peintre voudrait déjouer la perspective, là, de déjouer nos attentes et de créer des pièces qui font qu'on ne reconnaît pas quel instrument est en train de jouer, ou que même on puisse confondre deux instruments, ou que le son d'un instrument, le timbre d'un instrument, puisqu'on parle du timbre, soit modifié par un autre. Puisque, visiblement, d'après ce que j'ai compris jusqu'ici, le timbre, c'est une des choses qui n'est pas mathématiquement posée pour le son. Le reste, c'est une formule mathématique pour tout le reste, en fait. On a la fréquence, il y a quelque chose de mathématique, la grandeur d'onde, c'est l'intensité, la tout hauteur. Tout est visible sur le. Par exemple, sur ton oscillo, tu peux calculer toutes ces valeurs. Mais le timbre, je ne crois pas qu'il y ait Si on a une vision du timbre aussi. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, si tu veux, on peut tout à fait regarder le spectrogramme d'un instrument et dire c'est ça son timbre. Sauf que non. Le timbre, il est lié directement au jeu. Donc son expression dans la durée est directement liée au fait que l'on en joue. Et ça, le fait que l'on en joue, effectivement, c'est pas une donnée mathématisable. On pourrait dire qu'après tout, on pourrait serrer toutes les caractéristiques physiques de telle clarinette, j'ai bien de telle, parce que chaque clarinette est différente. Ouais, j'imagine. Pourquoi pas? Mais ça ne nous donnerait pas pour autant son timbre. Pour entendre résonner son timbre, il faut la jouer, cette clarinette. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait avoir la même longueur, le même dessin sur notre oscillo pour une flûte et un piano, ou un violoncelle, mais ça ne nous montrerait pas le timbre. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore parce autre que chose. Si réellement on en est à l'étape du spectrogramme, c'est-à-dire voir toutes les variétés, enfin toutes les singularités physiques propres à l'émission de tel ou tel son, ils ne sont pas superposables. Ce que l'on voit sous une forme n'appartient que à ce moment du son et donc que à tel son. Par contre, des variables pourraient se superposer. Effectivement, de la même manière qu'on pourrait dire, je viens de jouer un sol sur cette flûte, je viens de jouer un sol exactement à la même hauteur sur cette harpe. Donc là, élément-là, cette variable serait la même. On pourrait, tu vois, avoir quelques petits points communs. Ouais. Mais par contre, la forme générale, non, effectivement, elle ne pourra jamais se superposer. Mais on peut avoir des caractères communs, on pourrait avoir une modulation du jeu qui soit la même, sans pour autant avoir effectivement la même couleur du son, et on reconnaîtrait les instruments. Mais ce dont tu parles, pour répondre à ta question sur le subterfuge et la superposition éventuelle,
C'est quelque chose qu'on avait déjà écouté ensemble, ce sont les trésors de la langue de Lucier. C'est Ouais. là-dessus que ça travaille. Et ce soir, on va écouter deux extraits de Year of the Horse, l'année du cheval de Jean Schwartz, qui travaille que là-dessus. D'accord. Oui, Donc je me doutais bien que on des aura un compositeurs exemple avaient tout à l'heure. travaillé là-dessus. D'accord. Ouais, on aura un exemple. Et je pense quand même que le timbre, on pourrait quand même dire que c'est peut-être plusieurs variables qui se superposent. C'est peut-être, il y a pour moi une interprétation psychologique, il y a l'environnement qui joue beaucoup, social, mais aussi contextuel proche, comme les autres instruments. Et je pense qu'il y a plusieurs variables qui rentrent dans le timbre. Quand on dit le timbre, peut-être que c'est plusieurs choses. C'est pas que cette granulation Non, c'est particulière. toute une masse d'informations qui vont le déterminer, mais cette masse d'informations n'est pas ce timbre. C'est Oui. aussi différent que le fait que l'on puisse, par exemple, déterminer l'intégralité des caractères physiques, matériels, physiologiques de ma voix. On n'en tirait rien de ce que de mon discours. Et le timbre, d'une certaine façon, est le discours d'un instrument. C'est quelque chose qui est exprimé dans sa durée et qui résonne dans sa durée, et pour cela, il faut qu'il soit joué. Et Voilà, on c'est pourrait même vraiment ça, dire quoi. que chaque personne, chaque voix a un timbre différent, chaque flûte a un timbre différent, chaque donc c'est complètement c'est bizarre qu'on ait mis ça au même niveau des variables du son au même niveau que la longueur d'onde ou On le fait l'intensité. pas. On le fait On le pas, fait mais pas. on ne met pas au même niveau. On dit juste que. On peut avoir des discours généraux là-dessus. Mais par exemple, on peut avoir un discours généraux des tessitures pour les chanteurs et les chanteuses. Et dire, voilà, Il y en a qui ont essayé. celle-ci est alto, celle-ci est alto, et pourtant, c'est pas la même voix. Donc Ouais. dire ça, c'est pas dire grand-chose. Donc dire, par exemple, ça, c'est un timbre de clarinette. Ça, c'est un timbre de trompette. Ça nous donne un petit renseignement, mais d'une part, toutes les trompettes n'ont pas du tout le même timbre, la même coloration. Il faut faire résonner cet instrument de façon singulière pour réellement que se développe ce fameux timbre et qu'on le reconnaisse pour tel, pour être le timbre de tel instrument. Il ne va pas suffire de trouver toutes ces caractéristiques Oui, physiques. Ça ne même suffit avec pas. la harpe, suivant la personne qui va jouer de la même harpe, la résonance par rapport au corps, à la posture et tout ça va jouer. Donc, on peut aller très très loin dans l'individualisation du Certains timbres son. sont autonourrissants. Par exemple, le timbre des cymbales est vraiment un de ces timbres les plus autonourrissants. Les membranes sont très autonourrissantes. On va dire que tous les instruments le sont, c'est-à-dire qu'à mesure que tu joues, la résonance change dans l'instrument, elle se remplit d'elle-même, elle produit des nouvelles harmoniques et dans toute la durée du jeu, ça change. Et cette autonourriture, elle est très très remarquable dans les cymbales, dans les cloches, où tu sens bien que la durée prend de l'ampleur et quand tu fais un roulement très très lent sur une cloche, tu n'arrêtes pas en fait de nourrir la cloche de la cloche, etc., etc. Et c'est tout Ouais. ça son timbre. Mais en fait, c'est une des variables qu'on va enlever quand on va sculpter des sons électroniques, on va dire. C'est que, en effet, par exemple, une harpe, suivant le corps qui va être résonnant, le corps de la personne qui joue, on n'aura pas la même impression. Ça, quand tu vas commencer à faire de la musique électronique, tu enlèves le facteur. Non, tu vas pas Pas du tout, l'enlever. et pas du tout. Par exemple, quand tu es sur des instruments analogiques, tout à l'heure on parlera de ce que font les oscillateurs. Les oscillateurs, ils changent la tension. Mais la tension, d'un point de vue analogique, physique, c'est quelque chose de très fragile. Il ne suffit de pas grand-chose pour que ça se bouleverse. Puis il y a plein d'autres paramètres qui font qu'en fait, chaque synthétiseur a un timbre. Oui, Non, mais tu mais enlèves. ce Oui, sont des vrais instruments de musique. Le ça, j'ai timbre pas dit ça. d'un MS-20 n'est pas du tout Oui, le timbre on est d'un. d'accord. Eh bien, c'est important. Oui, mais c'est pas de ça dont je parlais. Je disais qu'on enlevait le facteur humain. C'est-à-dire le fait que quand un corps va rentrer en contact avec la caisse de résonance de la harpe, ça ne résonnera pas de la même façon puisque ça utilise le corps de la personne pour résonner aussi. Il y a une espèce de symbiose qui se fait. Ce facteur-là de humain, de toucher même de la touche, la touche de piano, la façon dont on va la toucher, enfin tous ces paramètres qui sont réellement de ce qu'on appelle aussi la gestique, c'est pas très beau, mais c'est-à-dire le geste musical qui va jouer sur le timbre lui aussi, eh ben, j'ai l'impression que quand tu fais de la musique électronique, ben, tu l'enlèves celui-là, puisque ton appui sur la touche pour lancer le son va toujours être la même, il va pas y avoir de résonance dans ton corps qui va jouer sur le timbre entendu, tu vois ce que je veux dire? J'ai Alors, l'impression qu'il y a une variable qui est coupée. elle n'est pas si coupée que ça, même si elle se superpose dans la musique électronique à la notion de jeu. Puisqu'effectivement, c'est sur elle que tout repose. Mais ça veut quand même dire que
N'oublie pas que chacune des variateurs sur un synthétiseur est mis en branle par un vrai jeu. Tu vois, une certaine façon de toucher un bouton. Il y a du toucher tourner. Quand même. C'est y a exactement du... ça. Ouais. Il y a vraiment un jeu. Ce qui fait que c'est pour ça, par exemple, que quand on jouait chez Rico sur le Yamaha qui était chez lui, aucun d'entre nous ne faisait résonner cet instrument de la même façon. Parce qu'on avait une approche instrumentale extrêmement différente les uns des autres, une pensée différente. Et il est étonné, par exemple, donc c'est un ami qui possédait un très joli synthétiseur. Mais c'est un Yamaha, mais donc je me souviens plus exactement du modèle, je le connaissais pas. Et par exemple, parmi les modes de jeu que j'utilisais, qui lui étaient pas venus à l'esprit parce que c'est une approche du son de l'instrument, j'utilisais juste le bouton de volume pour rentrer dans le son. Et comme un véritable, une véritable pour partie. Pour faire une attaque. Comme par exemple Noël Achoté utilise également les différents boutons de volume pour jouer de la guitare, des fois sans toucher vraiment ses cordes, comme Fred Friis peut utiliser d'autres aspects de sa guitare qui ne vont pas être utilisés par d'autres guitaristes. En fait, avec un synthétiseur, l'approche générale de l'instrument est très différente d'un musicien à un autre. Ouais, donc il va y avoir quand même ce jeu-là. Oui, je te suis, Clint. Ouais. On peut parler de joystick avec un synthé. J'avais complètement oublié qu'il y avait des paramètres où on pouvait... parce que ce que j'avais en tête, c'est par exemple avec mon petit Casio et qui fait... par exemple, sur une touche, que moi, j'appuie sur cette touche ou toi ou un bébé de 2 ans, ça va faire le même son exactement. Quoi. Parce qu'une fois qu'on appuie, enfin, c'est un on-off, une fois qu'on appuie, le son qui est préenregistré va sortir. Mais c'est parce que j'avais ça en tête, mais c'est vrai que dans le jeu d'un synthé, il y a plein d'autres choses qui viennent... Même ça, c'est à peine vrai. Tu crois? Oui, c'est vrai. Même sur un bon tampi, tu peux avoir une approche de la note qui peut être très fragile, qui peut être légèrement piquée, qui peut complètement casser les jeux d'insistance habituels, donc ne jamais permettre à la note d'atteindre sa durée. Donc avoir une approche de jeu, on pourrait dire des plus basiques des synthétiseurs, et même ceux qui ne sont finalement que des orgues électriques à peine améliorés. Oui, c'est ça, comme celui que j'ai. Et quoi. Développer avec ça quand même quelque chose qui ressemble à un jeu propre et singulier. Bon, mais là, on s'écarte de la question du timbre, mais on remet quand même... Excusez-moi, j'étais pleine de questions tout d'un coup. Dans la famille des instruments de musique avec des possibilités d'en affecter, d'en étendre et d'en ouvrir. Mon cher Laurent, as-tu mis des bûches dans le feu pour qu'on puisse être tranquille? Pourquoi, okay. Non, parce que je me posais la question avant de lancer les sons, qu'on soit un peu tranquille. Donc, on était sur cette sixième thème de réflexion. Voilà. Timbre des sons et notion d'instrument de musique. La notion d'instrument de musique, on est en plein dans la conversation. Ah ben oui, de toute façon, je pense qu'on était dans notre conversation. À fond les baluches. Allez. Alors, est-ce que l'audio du bureau est mis? Non, je ne vais pas vous le couper, sinon vous ne l'entendrez pas. On y va. À la limite, on pourrait croire à une source unique. Seule une oreille experte se doute de la supercherie. On a remodelé la dynamique de divers sons instrumentaux dont on a scrupuleusement respecté le timbre original. Les voici démasqués. C'était donc successivement flûte et basson, flûte et clarinette, un la électronique, hautbois, trompette, un do électronique. Conclusion. Contrairement à ce qui est généralement professé, la matière harmonique n'est pas le seul critère du timbre instrumental. Souvent, la forme dynamique est plus caractéristique encore. Ouais. Voyons-y de plus près, en reprenant le précédent exercice, dit de transmutation instrumentale. Nous savons fabriquer en effet un son qui ressemble à un sol de piano qui en possède du moins la dynamique. Là, okay. on a bien entendu ce qui se passe. On il est a bien fait une dans attaque notre histoire. Et une descente, une chute rigoureusement semblable pour neuf piqués d'instruments.
Et 9 sons émis, on avait vraiment l'impression qu'ils venaient tous du même instrument Ce de qui musique. rejoint le fait que je disais que le timbre, c'était une association de plusieurs variables finalement. Et on voit que la variable, il a dit que finalement, ce n'était pas les harmoniques les plus importantes dans la variable timbre, mais la dynamique du L'enveloppe, son, quoi. l'enveloppe. Ouais. C'est ce que tu appelles l'enveloppe, la Oui. dynamique. OK. L'enveloppe, Alors, la c'est la forme de cette structuration. courbe, la forme de cette courbe finalement, C'est ça, la forme de exactement. la courbe sonore. C'est la structure de cette D'accord. chose, telle C'est qu'on bien a de savoir l'habitude de parce que la moi, je n'emploie manipuler. pas enveloppe, je comprends pas ce terme. Donc, D'accord. Alors, l'enveloppe, c'est tout simplement la séquence des moments et des volumes correspondants, des volumes sonores correspondants à chaque moment d'un son. Donc, c'est la forme que ça représente à la fin de la construction du son, et ça implique des moments traditionnels qui correspondent au jeu lui-même, au fait de lancer le son, le fait de le tenir et le fait de l'abandonner. Voilà. Et c'est plutôt une approche, on va dire, quantifiante de la même chose, c'est de cette fameuse Bah, dynamique. par exemple, sur les données Salut YouTube, Suze! sur les données YouTube ou Twitch, tu as le nombre de spectateurs à chaque moment et ça fait une courbe. Ouais. Voilà. C'est pareil. C'est ça. J'ai tout compris. Salut, Suze. Enveloppe, oui, enveloppe et en slip. Et donc, ben, là, on a eu vraiment la démonstration de ce qu'on était en train de dire, finalement. Donc, c'était intéressant. On avait au bois, on a même eu un la électronique qui semblait être aussi une clarinette, comme tout le reste. Comme tout Pour le reste. moi, tout D'accord. Pour semblait toi, une tout ça, clarinette. c'était des Pour clarinettes. moi, tout était une clarinette, en gros. Alors, ça veut dire Je que m'y pour connais ton pas trop. oreille, culturellement, l'enveloppe de la clarinette est proche de cette chose-là. Pour Ouais. moi, c'était juste 8 sons parfaitement électroniques. Oui. J'entendais rien. C'est une enveloppe beaucoup trop régulière. Il y a Oui, une il n'y a pas quasi-symétrie d'harmonique, entre il n'y a pas de. l'attaque et puis la descente. Ouais. Ouais, ok. Oui, c'est ça, c'est symétrique, donc c'est vraiment Y a une. peu de sons qui font ça. La matière de ce son est empruntée à une source électronique. C'est un son pur, homogène et sans forme, auquel a été imposée une dynamique tirée de la note de piano. Revoici notre imitation. On remarque aussitôt qu'elle diffère de l'original par le timbre harmonique, qu'il faut bien distinguer du timbre tout court, et qui n'en est qu'un des caractères. Recherchons alors un matériau harmonique proche du timbre harmonique du piano médium. Nous avons découvert que c'est le cas de la flûte. Nous allons donc modeler un son de flûte tel que celui-ci par la forme dynamique de la note de piano correspondante que voici, pour former l'hybride que voilà, fort proche cette fois de l'original. Donc, en fait, là, il crée un monstre comme un centaure ou C'est quelque ça. chose comme ça. Et on obtient donc un être hybride, un monstre, en piochant un bout d'enveloppe de piano qu'on met sur une flûte. Tout le contraire, je sais plus. Non, il prend un sol électronique et il récupère sur une flûte une enveloppe. Une Et autre enveloppe, oui. une autre enveloppe. Et on a l'impression qu'on est. Donc il a distingué le timbre du timbre harmonique. Oui. C'est-à-dire le timbre propre à tel ou tel instrument que celui avec lequel on fait rentrer en résonance à ce moment-là, qui est un autre timbre. Mais la question du timbre, de toute façon, elle est complexe au sens où il y a une décision culturelle aussi. On peut tout à fait dire qu'un orchestre a son timbre d'orchestre. Parce qu'on dit bien d'orgue, qui a pourtant un certain nombre de jeux, de tuyaux, très différents les uns des autres, dont on pourrait dire, selon l'angle sous lequel on se place, que chaque tuyau a un timbre propre. Mais c'est pourtant, on va parler du timbre de cet orgue, c'est-à-dire pris dans le jeu, de ce qui va nous permettre à nous de le reconnaître comme singularité, comme personne, j'allais dire, Ouais, c'est la ça. personne de cet orgue. C'est Et ça presque le dépend aussi où sujet. tu arrêtes, où tu arrêtes la subjectivation de l'instrument que tu écoutes, Oui, le ben. timbre de tel quatuor, ou évidemment le timbre de tel instrument, ou pas. Le Parce que. timbre d'un chœur choral ou le timbre d'une personne. Et je pense qu'on est invité, en tout cas, à se poser sérieusement la question de ça, parce que si tu prends ta harpe, par exemple, il y a des cordes nylon, ou des cordes boyaux, ou des cordes métalliques. Tu ne peux pas raisonnablement dire que le timbre de ta Ah corde oui. de harpe métallique, c'est en soi le même que celui de tes cordes boyaux, par exemple,
ou tes cordes boyaux avec ce tressage métallique autour, tes cordes armées. Ouais. Pour autant, tu admets, pour des raisons culturelles ou même instrumentales en tant que musicienne, que ça, ta harpe a son timbre à elle, et c'est, pour toi, c'est un seul instrument. Mais vu de l'extérieur, il n'est pas aberrant, en fait, de regarder ta harpe comme une série d'instruments. C'est pas stupide. Oui, mais il y a là-dedans ça... une possibilité de repenser la question du timbre aussi dans la perception que t'en as, c'est-à-dire l'image globale que t'en as. Oui, c'est pour ça que je parlais aussi de... Là, je dirais un timbre harmonique, c'est-à-dire que comme quand je fais une corde métallique, toutes les autres vont résonner, on a une idée d'un... Quoi, ça y est, je t'ai perdu. Le timbre harmonique, c'est celui qu'on colle sur l'enveloppe. Suze. Et donc, oui, mais à cause des harmoniques, justement, je dirais ça. C'est que la corde grave de Fa, par exemple, va faire résonner tous les Fa de la harpe. Donc, tous les Fa sont potentiellement dans ce Fa-là. Ah, Job dit, ça lui rappelle les gamelans dont tu avais entendu dire qu'ils sont chacun uniques avec une sorte de personnalité. Ouais. Oui, mais je pense qu'on... Ben, les musiciens, en tout cas, quand ils abordent la question de leur propre instrument... ils nourrissent pas seulement par, je dirais, des séries d'affects un peu fétichistes, le caractère singularisant, personnifiant de leur instrument. Il y a, ça va au-delà de ça. C'est vraiment des rapports charnels qui sont liés à la façon de s'en emparer, de vivre avec lui, de le faire résonner contre soi. Les instruments comme la harpe ou le violoncelle sont vraiment, pour le coup, extrêmement impliquants. Moi, c'est plutôt des instruments à vent, mais souffler dans le corps d'un instrument de musique, c'est respirer par lui. C'est parler par lui. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont... C'est comme de la voix, finalement. On dit que c'est la même chose. On envoie du son sur nos cordes comme on envoie du son dans une clarinette ou une flûte. Mais Suze, tu peux t'ébattre autant que tu veux comme un joyeux petit cheval et courir en gesticulant et en cabriolant et comment on dit en ruant, même si tu veux faire des ruades. De toute façon, Year of the Horse de Jean Schwartz. Ah oui, c'est vrai. Alors, ce soir, c'est cheval, donc tu pourras tout à fait galoper et gambader. Alors, eh bien, voilà, continuons. Seconde idée, les deux critères du timbre, dynamique et harmonique. Développons les exemples précédents pour démontrer qu'une analyse, même sommaire, du timbre instrumental dans ses composantes dynamiques et harmoniques permet des synthèses amusantes. Voici une courte séquence de clavecin, en partie vraie, en partie fausse. C'est le début et la fin qui proviennent d'un clavecin authentique. Et c'est le milieu qui est obtenu par synthèse. Comment sont obtenues ces notes de synthèse? On suppose que le clavecin diffère du piano par un timbre harmonique plus riche et des dynamiques plus raides. On va donc assortir la matière de ces notes à des sons de hautbois plus riches que ceux de flûte, et on formera leur profil en appliquant aux matières de hautbois des dynamiques de piano empruntées à un registre plus aigu. Ainsi, pour obtenir telle note de faux clavecin, on prendra un son de hautbois de même hauteur, qui sera modelé par la dynamique d'une note de piano plus aiguë. Voici le résultat. Troisième idée, timbre d'un instrument, cas du piano. Comment peut-on parler du timbre d'un instrument puisque chacune de ces notes possède un timbre propre? Voilà. Bah voilà. Et carrément. Je voulais revenir sur le clavecin et le piano. Ça paraît complètement fou de pouvoir avoir des timbres proches de l'un à l'autre vu que ce n'est pas du tout la même forme d'attaque. Puisque je rappelle que le clavecin, ce sont des petites plumes ou des petits crochets qui tirent une corde. Donc c'est une corde d'une certaine façon pincée comme sur une harpe, alors que pour le piano, c'est un petit marteau qui tape dessus. Donc c'est pas du tout la même forme de résonance. Il y a d'emblée un étouffement quand on tape, même s'il est minime, mais un étouffement à l'attaque, puisque ça rentre en contact. Au moment de la production de son, il y a une attaque... Il y a du feutre sur ce petit marteau. Et il y a du feutre, bien sûr, mais de toute façon... ah oui, il va chercher. Et donc, il y a quand même, même sur un tympanon, même si on prend un psaltérion et qu'on tape dessus avec une maillotche, on aura tout à fait un son différent du fait de... Ou si on prend un plectre et qu'on le pince.
Donc oui, le clavecin, c'est quand on appuie sur la touche, une espèce de plume encochée qui va soulever la corde et la relâcher. Et il y a quand même du feutre, il y a des feutres, mais à l'arrivée, pour étouffer le son à l'arrivée, pour que le son ne se prolonge pas comme le son d'une harpe, puisque au clavecin, on va faire plein de notes, on va beaucoup tricoter pour entretenir un son, et on va beaucoup produire de notes, faire beaucoup d'ornements. Donc il ne faut pas que les sons se prolongent trop pour ne pas se superposer. Il faut vraiment qu'il y ait un entretien à la note, quoi. Je ne sais pas comment le dire, mais ce n'est pas une vibration comme une vie à la roue, quoi. Qui est recherché là. Tu tapes dans une vitrine avec un pavé enveloppé dans un torchon pour amortir justement légèrement la note. Voilà. Oui, bah, quand on est en manif, il faut toujours faire très attention à l'esthétique des sons qu'on produit. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Quand on détruit du matériel, du mobilier urbain, il faut vraiment faire attention. D'ailleurs, il faut toujours prendre un casque et un micro pour savoir quel son ça va produire. Une poubelle qui prend feu, il faut maîtriser. Bon. Il faut maîtriser. Ça se maîtrise, mais oui. Esthétiquement, visuellement, bien sûr, mais aussi de façon sonore. Hein. Pensez-y pour les prochaines manifs. Ne pas produire des sons de droite. Oui, c'est ça. Il faut faire très attention de ne pas produire des accidents sonores de droite. Ouais, ce serait très grave. Après, ça reste dans la conscient collectif et ça fait des dégâts. On connaît les dégâts. Le mot ne peut être pris dans la même acception. Cette allusion à un timbre instrumental considéré comme unique est en fait une référence empirique. À quelles règles d'ensemble obéissent donc les timbres particuliers des notes d'un registre pour justifier ainsi la notion de timbre instrumental ? Étudions le cas du piano. Comparons ces différentes notes, et tout d'abord sur le plan dynamique. On peut bien égaliser approximativement la durée des notes grâce aux étouffoirs. Il reste que les pentes dynamiques sont de plus en plus accusées. Parcourons de tierce en tierce tout le registre du piano et confrontons-en les tracés batigraphiques. Donc là, on va écouter effectivement les écarts fous qu'il y a en termes de dynamique. Et puis, de toute façon, cette question, vous devez aussi vous la poser parce qu'il y a des problèmes de matériaux. C'est qu'à partir du moment où vous devez atteindre certaines profondeurs du son, des hauteurs très hautes dans un cas ou très basses dans l'autre, hein, on ne peut pas utiliser les mêmes matériaux. Or, ces matériaux sont des corps résonants de nature différente. Nous avons culturellement accepté l'idée qu'ensemble, ils produisent quelque chose d'unifié qu'on appelle un instrument de musique. Mais en fait, là encore, je répète, on pourrait tout à fait les penser comme des instruments isolés. Et d'ailleurs, quand je parlais l'autre fois de lutherie, je vous ai bien redit que l'archet était considéré comme un instrument à part entière. Un archet, c'est un instrument de musique qui va fonctionner avec un instrument à cordes frottées, mais finalement, l'instrument lui-même tout seul sans son archet, et on voit bien quand on utilise plusieurs archets, on voit bien qu'on n'a pas le même instrument. C'est l'association des deux qui va créer une forme d'instrument. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire très attention à ne pas produire des accidents sonores de droite. Je l'ai mis. Alors, je pense que qui l'a dit, si c'est Lucie toi. Oui, il y a des côtes. Et je ne sais pas si Lucie est modo, mais je crois. Il faudrait que tu essayes, Lucie. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est modo? Tu te souviens? Je sais. C'est toi qui as paramétré ma chaîne. Comme d'habitude, je ne sais rien. Ah, mais oui, regarde, elle a un glaive. Ouais, t'as un glaive. Si elle a un glaive, tu peux mettre. Tu peux rajouter des côtes. Par contre, il aurait fallu citer tes sources. Je ne sais pas qui a dit ça. Donc on continue sur le piano. Le piano, on va écouter donc toutes les tierces. J'avais aussi autre chose en tête. Oui, non, peut-être ça m'est... Il a dit un truc que j'ai pas compris, mais je vais peut-être le comprendre. À propos du piano, mais on peut réécouter. Non, je ne sais plus ce qu'il a dit qui m'a échappé. Tu veux qu'on réécoute la phrase précédente? Oui, allons-y. Troisième idée, timbre d'un instrument, cas du piano. Comment peut-on parler du timbre d'un instrument puisque chacune de ses notes possède un timbre propre ? Le mot ne peut être pris dans la même acception. Cette allusion à un timbre instrumental considéré comme unique est en fait une référence empirique. À quelles règles d'ensemble obéissent donc les timbres particuliers des notes d'un registre pour justifier ainsi la notion de timbre instrumental ? Étudions le cas du piano. Comparons ces différentes notes, et tout d'abord sur le plan dynamique. On peut bien égaliser approximativement la durée des notes grâce aux étouffoirs. Il reste que les pentes dynamiques sont de plus en plus accusées. Parcourons de tierce en tierce tout le registre du piano et confrontons-en les tracés batigraphiques.
Alors, batigraphe, on avait vu hein, dans le premier, je crois, la première session, c'est donc un dessin coloré, la plupart du temps. Peut-être on peut aller voir ce que c'est. On peut vous remontrer. Vous remontrer. Oui, tu disais quoi, le cœur et le réflexe pavlovien de... C'est quelque chose, ça marche à tous les coups. Ah, le cœur. Ouais. Tu as fait des cœurs, c'est pour ça, Suze? Non, j'ai pas fait ça. C'est faux. Qu'est-ce que tu as fait? Non, je l'ai pas fait. T'as pas fait quoi? Poicre. T'as fait poicre, mais j'ai pas vu le cœur, moi. Alors. Ah, oui, mais on est sur. Batigramme. Non? Ouais, non, mais c'est un problème aussi. C'est plutôt batigramme, non? Le batigraphe, c'est l'instrument qui fait le batigramme. Ouais. Alors. Laurent est en train de chercher. Juste pour vous remontrer. Pour vous remontrer. On avait vu des belles images l'autre fois. Ah, non. Ah, oui, là. Là, ouais. Là, ça ne marche pas chez moi. Ah, oui, comment ça on tombe fait sur Cyril Hanouna et tout le ah, temps. Ouais, non, on ne va pas faire ça. Non. Pourquoi? Et on tombe sur du porno. C'est mes sales habitudes. C'est quoi ce bordel? Mes sales habitudes. Bon, laisse tomber. Je ne comprends pas pourquoi on tombe sur du porno. C'est parce qu'il y a un H. B-A-T-H-Y, peut-être. Non, mais c'est pas une raison, mon vieux. Parce que c'est bat, ouais. Le bâtir. Les bâtiments, voilà, c'est bat. Ouais, c'est ça. Ouais, on a trouvé. Alors, voilà. Voilà. Il avait mis B-A-T-Y, donc on tombait que sur des horreurs. Voilà, un bâtiment. Alors, c'est pas très loin de... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On tombe sur Alamy. J'en ai plein le cul de ces machines qui sont pas paramétrées pour ce... Non, mais il y a que de la pub. Moi, ça me gonfle. Allez, bon, ah bah tant pis. Ah si, ça s'en est un. Non non, c'est une biogéographie, rien à voir. On s'en fout complètement. Bon, laisse tomber, on perd du temps. Allez, ça me casse les pieds. Bon, on y va, on écoute la suite. On va écouter donc de Chers sans Chers, le piano, et constater le changement de dynamique assez étonnant à mesure qu'on avance vers les suraigus. Ce serait bien qu'on ait les images. Voilà, la chute est de plus en plus aride, quoi. Après les critères dynamiques, passons aux critères harmoniques. Alors vous noterez quand même aussi ce qui se passe culturellement. On reçoit l'information et en fait on discrimine l'information. Parce qu'au cas où vous n'auriez pas remarqué, il y a un nombre considérable de parasites dans chacune des notes émises. Ouais. Et à mesure que vous montez en gamme, le parasite qui est par exemple le bruit du marteau tout seul, vous l'évacuez parce que vous écoutez du jeu. Mais comme là, au lieu d'écouter quelqu'un qui joue du piano, on est attentif à une réalité physique, d'un seul coup, ça nous saute aux oreilles. C'est que quand on écoute un morceau de piano, une pièce pour piano, ou quand on écoute du jeu, en fait, on discrimine, on chasse de notre oreille, comme des sortes d'éléments qui ne sont pas dans le timbre, alors qu'en fait, ils y sont, les événements sonores qui sont complètement combinatoires de leur propriété. Comme je vous avais dit, je ne sais plus à quelle session, que moi, au début, quand j'écoutais les joueurs de violoncelle, j'entendais que... leur respiration, en fait. Je les entendais très fort respirer, j'entendais plus l'instrument tellement j'entendais ce bruit-là. Et comme on peut entendre clac, 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 quand on écoute un piano ou encore plus avec un clavecin. La chute est une mamie. Elle est aride. Elle est aride. Quelles sont ces variations en fonction du registre? Pour les constater, transposons au magnétophone un ré grave, 2 octaves plus haut, et comparons-le au son naturel du piano sur la même tonique. Voici ce ré grave. Voici ce ré transposé 2 octaves plus haut, comparé au son du piano à la même hauteur. Il apparaît alors évident que le timbre harmonique du ré grave, dont nous n'avons pas dénaturé le contenu puisque tout le spectre a été transféré 2 octaves plus haut, est beaucoup plus riche que le son naturel. Faisons l'expérience symétrique. Ouais. Prenons un ré aigu. Transposons-le sans le dénaturer 2 octaves plus bas grâce au ralenti du magnétophone. Le spectre est évidemment beaucoup plus pauvre que celui de la note de piano originale sur le même degré. Voilà, donc vous avez bien compris ce qui se passe.
par un procédé relativement simple, on peut faire des transpositions. On verra que pour la réalisation d'un synthé analogique comme celui qu'on va utiliser tout à l'heure, c'est ce qu'on fait, on transpose de note à note, et on conserve donc d'un état à un autre toutes les propriétés par une transposition, sauf que ce n'est pas la même méthode qui est utilisée, c'est un changement de voltage, un changement de tension, mais là, le truc c'est simple, c'est juste, on met son petit doigt sur la bande magnétique, et bon, on change comme ça la hauteur, en ralentissant ou en accélérant la note, c'est comme ça que se fait la transposition magnétique. L'heure est grave. L'heure, tu comprends plus les calembours. Mais c'est comme quand... Il y en a trop. C'est comme quand ma prof de chant me dit de chanter aigu en gardant les caractéristiques de mon son grave. Donc elle me fait chanter grave, une voix de poitrine, un peu de baryton, comme ça, très très grave. Et elle essaye, et elle me dit de retrouver la même ouverture et la même sensation. Essayer de trouver la même rondeur, la même chaleur. En fait, ce qu'elle me demande, c'est de garder le même timbre dans les graves et les aigus, et qu'il n'y ait pas de différence de timbre. C'est souvent dans le chant un problème, quand tu passes une voix de tête à une voix de poitrine, comme on appelle ça, eh bien, on a un changement de timbre qui n'est pas agréable. Et souvent, les notes intermédiaires, les deux, trois notes intermédiaires, eh bien, on a une voix pas terrible. Et donc, il faut que ce soit le plus fluide possible, comme pour un piano, en fait, qu'on ait une... Une gradation dans les propriétés timbrales. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais on va le dire quand même. Donc, on poursuit, d'accord, sur cette idée. Ok. Ouais. La conclusion s'impose, même si elle est paradoxale. Le timbre harmonique du piano est non seulement plus riche, mais plus clair dans le registre grave, et il est plus pauvre et plus sombre pour le registre aigu. Confirmant cette constatation en répétant la même expérience sur un groupe mélodique. Voici la mélodie originale. Deux octaves plus haut, son timbre est plus riche que les notes de même hauteur. Deux octaves plus bas, le timbre est moins riche que les notes de même hauteur. C'est pas... Quatrième idée. Alors, on va s'arrêter là. Oui, c'est vraiment... C'est pas vrai, c'est pas ce qu'on dirait, c'est pas l'idée qu'on dirait, c'est pas l'impression qu'on... Oh, je crois que si. Je crois que si, quand on est sur le piano et qu'on joue, et qu'on passe effectivement de plus en plus vers l'aigu, quand on monte dans les octaves, on sent une déception charnelle et affective, un appauvrissement. Mais c'est la rondeur qu'on perd, justement. Alors, la zone des médiums est pas mal, ça va encore, quoi. Et plus tu vas vers les aigus, tu as l'impression qu'on te prive de quelque chose. Ouais, oui. Et c'est aussi ce que va faire c'est le quoi, jeu. C'est les harmoniques. Le jeu du clavecin va permettre par l'accélérando et par le groupement de notes serré, cette densification, d'échapper oui, à ce qui se passe dans le haut du piano. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le haut du piano, il faut retrouver ça, en fait. Quand tu commences vraiment à monter dedans, il faut retrouver un jeu de clavecin pour ne pas avoir ce sentiment d'aridité. Oui, le clavecin, il triche en rajoutant plein de notes et d'ornementation pour combler la résonance, finalement. La musique contemporaine va beaucoup jouer avec ce côté grelottant de la petite note finale de la partie aiguë du piano, en jouant des suspensions. On entend ça beaucoup dans les musiques très étriquées, très, très arides, dans certaines pièces de Feldman ou de Cage, où on va aller chercher cette chose solitaire, isolée, cette petite note grêle, etc. C'est pas mal. Mais en fait, on retrouve la même chose dans la voix. C'est-à-dire que plus les voix sont graves, plus on utilise des voix graves, plus on a une impression de chaleur, de rondeur, de plein, en fait, quelque chose de très plein, et une sorte d'assèchement dans les voix aiguës aussi. Et justement, de retrouver ça, c'est compliqué. Alors, ça dépend des tessitures. Par exemple, on retrouve un sentiment de rondeur, je trouve, chez les hautes contres, chez les contre-ténors. On retrouve une sorte de rondeur. Mais c'est parce que tu as des problèmes différents de ceux que tu vas rencontrer avec le piano, c'est-à-dire qu'il y a une vraie tenue.
Ouais. Le problème Tu qui peux va faire tricher défaut avec. quand tu montes dans le piano, c'est que tu as perdu ta Et tenue. puis Il n'y a tu pas peux de aussi tenue tricher là-bas. sur le vibrato quand tu as une Tu peux voix. tricher, exactement, tu triches sur le vibrato, tu peux rajouter donc des effets. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, il faut le retrouver dans les aigus parce que de façon spontanée, ça assèche un petit peu le son. Un petit peu, mais c'est très remarquable pour le piano Et plus puis on que pour le entend chant, l'attaque, parce que beaucoup plus l'attaque. dans le corps humain, le corps résonant est le même. Alors que dans un piano, le corps résonnant d'une corde grave et le corps résonnant des dernières cordes, c'est pas le Oui. même. Donc c'est pas des matériaux qui vont réagir exactement de Oui, la même oui. façon, Nous, quoi. on est plus proche d'une corde qu'on fait vibrer avec du souffle, finalement. Donc, c'est pas une corde pincée, la voix, c'est une corde sur laquelle on envoie de l'air. Et enfin, c'est, je crois que c'est l'air qui passe entre les deux, entre deux On est cordes, c'est entre ça? l'orgue et la cornemuse, quoi. C'est ça. Quelle Il y horreur. a, y a, Quel y a, y a enfer. une vibration, mais il y a aussi ce qui passe entre les cordes et plus ou moins haut dans un Alors, le corps corps humain. résonant, c'est ce qu'on appelle un gros cerveau. C'est exactement ça, Suze. Moi, ce Alors, matin, un peu d'écoute. c'est ce que j'allais dire. Il faudrait se faire un peu d'écoute parce qu'on Ouais. est sur. On va passer à la quatrième On va idée. passer à la quatrième idée. Et quatre Donc, idées, c'est déjà beaucoup d'idées. qu'est-ce que tu nous proposerais alors comme Un petit écoute? programme d'écoute. Voilà. Allez. On va écouter à la suite. Alors moi, j'ai décidé de vous balader dans le territoire, Je un vais de mes surveiller le territoires feu pendant ce temps-là. sonores musicaux Je t'écoute, hein. préférés. C'est la musique acousmatique. Et notamment, toute une partie d'elle, qui n'est pas une musique d'objet, qui n'est pas une musique de bande à proprement parler, c'est plutôt la musique produite électroniquement. Dès le départ, cette musique, elle a été penser avec d'autres instruments. C'est-à-dire l'idée de faire de l'instrument électronique un instrument solo, elle ne s'impose pas. On a souvent cette image, hein, quand on pense à la musique acousmatique, on pense plutôt à celle des années 70, qui est donc très solo, où c'est des musiciens comme Schwarz, Reibel, Parmigiani, enfin tous ces gens, ou Luc Ferrari, qui jouent que sur leur dispositif électronique, ou François Weill, qu'on avait écouté un petit peu la dernière fois. Mais au départ, je dirais un peu comme autrefois les ondes Martenot, ce sont des instruments qui ont été plutôt pensés comme additionnels à la grande famille instrumentale. Et donc la première pièce qu'on va entendre, c'est une pièce de 1957 de Xenakis, qui est très très belle, donc 57 déjà, mais bon, il y en a avant. Hein. Je crois que le Contact de Stockhausen est de 52, donc le Xenakis, 57, quelques années après, dispositif électronique et d'autres instruments. On fera suivre dans une pièce de 1960 de Mireille Kirou. Alors Mireille Kirou, enfin moi je ne lui connais pas, j'allais dire elle n'a pas fait grand-chose, mais en fait je ne sais pas, mais je ne lui connais pas grand-chose. Je lui connais toute une série de petites pièces réalisées dans les années 60, et notamment cette étude numéro 1 qu'on va écouter, qui est très jolie. Ensuite de quoi on va écouter un de mes compositeurs favoris, Luigi Nono. Alors, bon, bah, les camarades qui sont à la fois des camarades politiques et des camarades musiciens seront heureux d'écouter Nono. Nono, c'est un peu l'emblème du musicien très politisé italien des années 60-70. On lui doit la géniale Fabrica Illuminata. Bon, plus personne n'écoute, je pense, ce genre de truc aujourd'hui, mais c'est une pièce que je trouve renversante. C'est très C'est beau. Nono, très, très j'avoue beau. que tu m'avais initié et C'est très c'est beau. aussi un compositeur que j'adore. Alors, dans la Fabrica, toutes les pièces sont réalisées avec. Avec des tracts, c'est vraiment de la matière politique utilisée pour faire le chant. Et là, on va écouter autre chose, c'est une petite pièce qui s'appelle Contrapunto dialettico à la mente, contrapunto dialettico, contrepoint dialectique, à la mente, à l'esprit. Et c'est aussi du matériel politique qui sert à faire le livret. Par la suite, donc après cette pièce, qui est une Ah, pièce pour attention. dispositif électronique et pour voix et instruments, nous allons écouter une pièce de 1972 de Béatrice Ferreira. Une très bonne année, je dois dire, c'est 72, une c'est une excellente année. excellente année. Voilà, on va écouter Siesta Blanca. Et en dernier, on va écouter une petite pièce d'un compositeur que j'aime beaucoup, qui est peu écouté, et je le regrette, alors qu'il est plutôt très chouette. C'est des petites pièces qui s'appellent Year of the Horse. Donc on va en écouter d'abord une. Et puis après, on va repartir dans nos bazars. Et pour la deuxième session, on écoutera une autre petite partie de Ok, Year of the eh ben Horse. je te laisse faire. On y va? Allez. Allez, vous allez voir, c'est vachement bien. Tout le On monde commence écoute, donc tout le monde par entend. Xenakis.
Donc voilà, c'était un extrait de Orient-Occident, donc qui l'a fait effectivement, comme le dit Clint, au GRM, donc au groupe de recherche musicale créé par Pierre Schaeffer. C'est une pièce qui utilise un matériau qui est propre à Xenakis. Très souvent, ces pièces dialoguent avec un matériau qui lui est propre, historique, grec, et notamment joue avec la musique qui lui est contemporaine en Grèce, mais aussi évidemment avec tout le bagage fantasmatique ou réel, historique de la musique de l'Antiquité. Enfin, toute l'idée qu'on s'en fait, mais aussi tout ce dont on dispose pour essayer de la penser. Il y aura des pièces tout à fait extravagantes et drôles par la suite, des pièces pour chant et psaltérion, sur des parodies de théâtralité grecque très gesticulante. Là, donc, c'est une pièce très ancienne, c'est ça? Ça, c'est une pièce ancienne, c'est une pièce de 57, donc c'est une pièce pas de jeunesse, mais quand même, c'est une pièce d'un assez jeune compositeur, et il joue beaucoup donc, avec ce matériau antiquisant grec. Voilà, on va continuer avec la suite. Donc c'est qui là? Mireille Kirou. Étude 1. Alors donc ça c'était un extrait de la très jolie étude 1 de Mireille Kirou. J'espère c'est que ça vous très a plu. Très jolie granulation, moi j'ai beau, beaucoup hein. apprécié. Je connais pas du tout, je trouve ça très bien. Ouais. Donc voilà ce qu'on faisait en 1960. Je pense que ça devrait peut-être quand même éveiller chez ceux et celles qui nous rebattent les oreilles avec le rock'n'roll de mes deux. Je veux pas donner des noms quand même. Oui, enfin si tu voulais écouter du rock'n'roll, c'est pas ici qu'ils vont venir. Hein. De toute façon, comme Sardou, on va pas en écouter beaucoup. Ça va pas être ça. Hein. Ensuite on va passer à Luigi Non, non? Ah, très bien. Donc, je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas, Luigi Nono, c'est très, très beau. La vraie musique communiste. Ouais. Oh.
Bon, c'est dur de couper ça, hein. Ça me fait un peu mal, mais on ne peut pas les passer en entier, ces pièces sont un peu longues, le contrapunto dure un peu plus de 20 minutes, donc on pourrait se faire quand même des... L'audio du bureau est coupé. Bah, il n'y en a pas besoin pour l'instant, ah, d'accord. C'est quand on écoute Schaeffer, c'était pour ne pas le doubler. Ah pour, d'accord, ça te plaît, Lucie? Eh ben, j'en suis vraiment ravi. C'est beau, hein, vraiment, c'est beau. Et puis c'est politisé, quoi. Donc, comme quoi, on n'est pas obligé d'écouter de la merde... Oui, on n'est pas obligé d'écouter de la chanson à texte ou des punks à chien quand on a envie de musique politique. Voilà. Donc ici. C'est ça? Ouais. Tu mets son nom, ouais. Voilà, voilà. Oh, si, t'exagères. T'as de la chance d'être bien vu ici, hein, franchement. Affligeant. Donc, Béatrice Faria est argentine.
Et elle a bossé avec les constructions, les trucs sonores un peu bizarres de Bachet, par exemple. Ah oui, Ouais, les instruments Bachet. les instruments Bachet. Donc elle a bossé avec le GRM, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses, et c'est une découverte vraiment, vraiment cool, le travail de Béatrice Ferreira, qui est peu écouté. Donc là, je vous ai mis le site, hein, ce qui vous permet de découvrir bah, à peu près tous les travaux qu'elle a fait, sa discographie. Il y a pas mal de trucs et bon bah des choses que vous pouvez retrouver évidemment je pense assez facilement sur Soulseek. Ouais, Voilà, n'hésitez voilà. pas. Toi tu adores Béatrice Ferreira, d'accord. Oui, ils ont ressorti des. Ils en ont sorti, ouais. Ouais. Et donc on va Il y finir a une avec quoi? redécouverte, ben on avait dit Woman with Transistor, le documentaire d'Arte. Il y a une redécouverte aussi des femmes qui ont fait l'électronique, l'électro, les musiques électro, quoi, Ouais. les pionnières. Alors, il y a la pelota del perro de la vieja. C'est la babale du chien-chien à la mémère. Très chouette album. Je vous le conseille. Alors, on était en Argentine après avoir été Voilà. en Italie, et donc on fait On retourne voyager en France, Suze. là. En plus, on se balade. Ouais. Maintenant, on finit avec Jean Schwartz, Ah, il mon vient petit d'où chéri. lui? C'est un. Il est français. Il est français. On y va. Et voilà, donc ça c'était la pièce en entier cette fois-ci parce que c'est des petites pièces courtes. The The Year Year of of the the Horse, Horse. c'est Alors, ça, donc, de tu Jean Schwartz. disais, tu me faisais réflexion Ben que. si, ça illustre très très bien ce qu'on disait par rapport aux combinaisons trompeuses de sons électroniques avec des sons instrumentaux Ouais, où il y a une les tentative de les espèces mêler très d'hybridation complètement, ouais, et très étroitement. d'interpénétration. Oui, j'étais en Exactement. train de chanter Demeures aquatiques, mais pas la version de De Ferreira. Béatrice Ferreira, mais une version plus baroque pendant qu'on écoutait. La musique c'est bien, mais il n'y a pas de calembour dans Si, si, vous pouvez y aller pour les calembours, hein. Oui. Laurent m'aidera à les Ah, sur le comprendre quand son, je c'est dis. plus compliqué, Oh oui. non! En Et fait, puis, c'est un bon n'hésitez sonore. pas, vous pouvez C'est faire des citations, hein, comme ça. vrai. On poursuit? Allez, on poursuit. On On y était va. donc dans notre quatrième idée. Il approche ta quatrième idée. Ouais. Voilà. Il l'a dit, quatrième idée. Quelle est cette quatrième idée? Quatrième idée, loi du piano. On peut donc avancer que ce qui fait le piano tient à une loi de compensation entre timbre harmonique et timbre dynamique. Du grave à l'aigu, si la raideur dynamique croît constamment, la richesse harmonique décroît en proportion. On peut vérifier cette hypothèse en empruntant au piano lui-même des éléments de synthèse. Si l'on attaque au plectre une note médium, un Do 3 par exemple, on obtiendra un son à la fois plus riche et plus raide que l'original. L'attaquer avec un plectre, ça revient quasiment à l'utiliser comme un clavecin. Oui, tout à fait. Puisqu'on a une. On pince de façon très précise, donc même pas avec la pulpe du doigt, et ensuite on relâche tout de suite. Alors le Mais plectre, donc. hein, c'est ce que les guitaristes Oui, appellent un médiator, c'est par ça, c'est exemple. ça, oui, un plectre. Tout à fait. C'est l'ancien mot, je crois. Transposé à l'octave au-dessous, il garde sa richesse, mais sa pente est réduite d'autant, ce qui explique qu'il ressemble à la note originale Do2 de l'octave inférieure. On
On peut de même opérer une transmutation de la guitare en simili-piano. La richesse de la guitare correspondra alors à celle du registre grave du piano, et la raideur sera restituée grâce à une coupure sur une portion de dynamique de guitare correspondante à celle de la note de piano recherchée. Voici la guitare, puis sa contrefaçon de piano. Cinquième idée. Ça marche moyen. Un pitch de guitare. Ouais. Transposition au piano, d'accord. Ouais, je moins convaincant, je trouve, mais. Bah, écoute, c'est là, oui. Transposer un pitch de guitare, exactement comme on le ferait d'un piano, 3 octaves plus bas, quoi. Elle transpose son fric à octaves aussi. Monique Descroix, oui, la nôtre. Timbrement du timbre harmonique. Cinquième idée, encombrement du timbre harmonique. La notion de timbre harmonique ne doit pas être confondue avec celle toute théorique du spectre des harmoniques supérieures. Comme on va le voir, les harmoniques inférieures, ou plus exactement la résonance harmonique de l'instrument, la table d'harmonie dans le cas du piano, joue un rôle fondamental en apportant pour un instrument donné une zone de résonance privilégiée. Ainsi, même en laissant passer les principaux harmoniques d'un piano grave sur le La zéro, en coupant les aigus au-dessus de 300 Hz, on dénature le timbre par suppression des résonances aiguës de l'instrument. Donc, littéralement, oui. Un filtre passe-bas, donc oui. On verra. Il avait déjà fait ça dans le tout début de l'objet sonore. Tout début, il avait fait des filtres pour enlever certaines parties du son. Donc il essaie de séparer en tout cas les notions d'harmonique qui sont propres à l'instrument, les harmoniques inférieures, c'est-à-dire celles qui sont en réplétion à l'intérieur de la caisse de résonance. Et celles qui sortent. Voilà, ouais. C'est ça. Celles qui sont en dégage. Inversement, en supprimant les graves au-dessous de 2000 Hz, ce qui sauvegarde tout le spectre théorique d'un Do7, 2090 Hz, on dénature le timbre par suppression des résonances graves. Voilà. Alors, moi, ça me fait penser à quelque chose. C'est que vous savez, quand vous entendez votre voix enregistrée, on a toujours l'impression qu'elle est plus aiguë. Parce qu'en fait, quand on parle, on a la résonance des os du crâne. Et on entend toujours notre voix beaucoup plus grave qu'elle n'est en vrai. Et c'est pour ça que certaines personnes sont surprises d'entendre leur voix pour la première fois venue de l'extérieur. La façon dont les autres perçoivent notre voix n'est pas la nôtre, puisque nous, on entend toujours notre voix beaucoup plus grave qu'elle n'est. À cause de cette résonance interne. Et là, on a entendu la même chose. On avait l'impression, pour moi, en tout cas, j'avais cette impression que le piano était plus grave si on entendait que ce qui se passait à l'intérieur. Là, en l'occurrence, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient ce qu'on pourrait appeler, enfin, ce qu'il appelle le timbre théorique, c'est-à-dire qu'on dégage du son toutes les portions du spectre qui n'appartiennent pas en propre à la note émise sur sa corde, mais celles qui existent à cause de la résonance et de la sympathie avec les autres cordes produisent des harmoniques. Oui, donc à l'intérieur de la caisse de piano, il se passe des choses. Hein. On pourrait s'imaginer qu'on va juste atteindre le son pur et arriver à son maximum, mais en fait, on constate que non, sa réalité, c'est sa réalité prise dans son contexte, qui est l'instrument piano avec tout ce qu'il propose. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il n'existe pas en dehors de ses parasites, en dehors de tout ce qui n'est pas lui, mais qui vient avec lui tout le temps, quoi. J'avais envie de rire parce que je repensais à ce film où le type est à l'intérieur du piano, il joue à l'intérieur du piano. Et pour faire passer un examen à quelqu'un avec des petites cuillères. C'est pas dans la série Black Book. Si, je crois que c'est dans la série Black Book. Il y a quelqu'un qui se... Elle veut, c'est Fran qui dit qu'elle a appris le piano très rapidement et qu'elle est une virtuose. Et donc, il y a quelqu'un dans le piano qui est en train de taper avec des petites cuillères à toute vitesse. Et qui... Envoyer des lettres de Schrödinger. Ah oui, ça serait marrant de trouver ce petit passage... Ça me paraît compliqué, il aurait fallu anticiper. Ouais, je viens juste d'y penser. Ah, oui. Mais donc, du coup, il se sent obligé de continuer à jouer à l'intérieur du piano. Il ressort du piano complètement rouge. C'est très drôle. Bon, rien à voir. Alors, donc, le timbre de Schrödinger. Ouais. Par contre, en ménageant un filtre passe-bande de 200 à 1000 Hz, le même La zéro passe sans changement appréciable de timbre. Le
Le Do 7 précédent passe mieux encore dans cet étroit canal. Il se contente, bizarrement, d'une bande passante de 500 à 2000 Hz, laquelle contient à peine sa fréquence nominale. Ah, on avait déjà... Plus on va vers les aigus, plus il faut plus rien. Au fond, il est proche de sa fréquence nominale et laissant résonance sans harmonique supplémentaire. Ben, ça me rappelle les premières expériences qu'il a fait tout au début de l'objet sonore, où il n'arrêtait pas de couper le son, et on voyait qu'il fallait très peu, en fait, dans les aigus pour avoir le son complet. C'est ça. En fait, dans les aigus, il se passe presque rien. Il y a peu d'événements harmoniques. Mm. Par contre, si vous amputez un tout petit peu vos sons graves, vous l'avez entendu, plus ils sont graves, moins ils souffrent pour être eux-mêmes, quoi, d'être amputés de quoi que ce soit. On est à la fin de la cinquième idée, là? On y arrive. Ouais. Sixième idée. Ah. Je veux qu'on s'arrête à sixième idée. Oui, je voulais qu'on fasse une petite lecture, petite pause, si ça vous va, une petite pause lecture. Donc, dans traiter des objets sonores, hein, c'est ça? Traiter... des objets musicaux. Objets musicaux. Je savais que c'était pas tout à fait. Il y a le solfège des objets sonores, qui est donc associé au traité des objets musicaux. Donc le PDF est facile à trouver en e-pub, et en PDF. Si vous voulez lire ça, donc c'est le complément. Il y a parfois aussi des figures. Oui. Qui accompagne. Donc là, on ne vous lit pas du tout les choses qui sont en lien avec ce qu'on est en train d'écouter, mais plutôt des choses qu'on a choisies. Et là, ça va être autour de la structure, c'est ça? Ouais. Alors, tu peux nous dire plus, peut-être? C'est ça, voilà. Comme ça, on n'a pas complètement comme disparu. Comme ça, on est là. Voilà, on est un peu avec vous. Voilà. Par contre, c'est moi qui vais devoir prendre, si je veux... Voilà. Tu veux la souris? Ah ben oui, pour changer de page et tout. Allez, ça. Là-bas. Ok, ouais. On y va. Et on a... Alors, c'est la 15-7, et on va lire la 15-8, mais je me suis mis un peu avant dans la 15-7, parce que ça me paraît important d'être juste un tout petit d'accord. peu avant pour d'accord. le lier, quoi. Ouais, tu prends des libertés. Ouais, je prends des libertés, exactement. Plus c'est grave, moins on souffre. Ben oui, c'est pas non plus une évidence, mais c'est vrai que plus c'est grave, général, moins on souffre. Oui, quand on a une maladie aiguë. Ben, c'est-à-dire qu'on peut pas amputer quoi que ce soit. Il faut rester dans la gravité. Il ne faut rien enlever à cette gravité. Alors que j'écoute une note ou une mélodie, celle-ci se détache sur un fou. Ce rapport, nous en avons déjà parlé au chapitre 5 et au 6. C'est le rapport entre ce que j'entends, que j'identifie comme figure, et ce que j'ouïs, au fond, un fond sonore. Le silence, toujours relatif d'ailleurs, constituant un fond sonore comme un autre, comparable à la page blanche. L'ensemble figure-fond est lui aussi une structure dont les deux éléments sont indissolublement liés. Là, on voit donc toute l'importance de la gestalt-théorie hein, pour lui. Il est beaucoup formé à cette idée. C'est une théorie qui marque de son impression cette période de l'histoire de la pensée dans les années 60. Elle est encore très présente. C'est-à-dire, l'idée, c'est une théorie de la perception, une théorie psychologique de la perception, qui va établir un type de rapport à des formes générales, en tout cas un fonctionnement de connaissances, d'interprétation du monde et de perception du monde, non pas par des séries inventoriées d'éléments assemblables, mais bien par des formes générales qu'ensuite on rend dissemblables à elles-mêmes en les séparant, en les feuilletant, en les effeuillant et en y plongeant. Bon, ça, il y a beaucoup de penseurs du monde de l'image, par exemple, qui se sont penchés sur la gestalt théorie, mais aussi en linguistique, enfin dans plein de domaines, jusqu'à la clinique, par exemple, pour la notion de symptôme, enfin de champ de symptômes. Je peux entendre alternativement une conversation sur un fond musical ou une musique sur un fond de conversation, mais jamais les deux structures simultanément. Si je veux écouter le fond sonore, il devient instantanément figure entendu, détruisant du même coup la figure précédente qui devient fond. À y regarder de plus près, nous retrouvons le même antagonisme entre les parties et le tout. L'écoute de chaque note comme unité autonome détruit la mélodie. Nous pouvons enfin supposer que cette mélodie... Ah, t'as passé le passage sur les drogues, ça aurait pu être pourtant. Ça aurait pu être un moment sur les drogues, oui. Ainsi, certaines drogues modifiant la perception de la durée dans laquelle s'inscrirait normalement la mélodie transforment-elles cette dernière en une section d'événements sonores isolés, dit-il, entre parenthèses, que je n'avais pas lu, mais que tu voulais que je lise. Mais oui, bien sûr. Moi, je ne lis pas les parenthèses, c'est chiant les parenthèses. Les didascalies. Nous pouvons enfin supposer que cette mélodie est une gamme. En ce cas, cette gamme sera une structure effectivement perçue, mais par ailleurs, toute mélodie,
avec ses fausses notes éventuelles sera entendu par référence à la gamme à laquelle nous sommes accoutumés. Qu'est-ce que cette gamme occidentale qui conditionne notre perception sans être elle-même perçue? Une structure aussi, c'est évident, mais une structure de référence, pour le moment évoquée implicitement dans l'abstrait. Elle fait partie intégrante d'un système musical qui est à la mélodie que je suis en train d'entendre, ce qu'est le code des bons usages par rapport à la conduite du visiteur qui se trouve à cet instant même installé dans mon fauteuil. Comment se fait-il que la notion d'objet à laquelle est consacré ce traité soit en musique si nouvelle ou si surprenante alors que le terme structure y fait rage? N'avons-nous pas dit qu'ils étaient synonymes ou en tout cas emboîtés l'un dans l'autre? C'est que le terme structure, en effet, employé à tout propos et dans n'importe quel sens, finit par ne plus rien signifier du tout et embrouiller les pistes. Nous venons d'évoquer trois niveaux, justiciables, chacun du couple objet-structure, mais à la seule condition de les bien distinguer. Petit 1. Le niveau le plus accessible, disons le plus banal, au sens de l'écoute du même nom, c'est le niveau d'un groupe de notes. La relation objet-structure y est immédiatement évidente. Les notes sont les objets composant cette structure. Cette petite affirmation, malgré ses airs d'évidence, est cependant déjà vicieuse. Je remarque, comme firent les premiers gestaltistes, que cette mélodie m'apparaît comme identique à travers des transpositions ou des orchestrations différentes. Effectivement, on peut reconnaître une mélodie, que ce soit moi qui la sifflote ou qu'elle soit jouée par un orchestre symphonique. C'est donc plutôt comme objet que je la vise. J'explique alors sa permanence par sa structure, qui la qualifie. Je pense que là, vous suivez, il n'y a pas de question, j'imagine. Si je vise en revanche chacune des notes isolément, je suis bien obligé de reconnaître que lorsqu'elles étaient entendues dans la mélodie, je n'en retenais que la hauteur, et que pour les entendre à leur tour comme objet, ces notes, je dois les séparer les unes des autres. Peut-être qu'une écoute plus attentive de chacune m'en révélera la complexité interne. J'y entendrai des qualités inaperçues, et peut-être, comme Helmholtz, une mélodie d'harmonique. Hop là. Ça a sauté. C'est bon. Une mélodie d'harmonique, dont je référerai les hauteurs à mon expérience précédente des mélodies. Donc, je suis amené maintenant à scruter la note, non plus comme l'objet qui m'avait été révélé par la structure mélodique précédente, mais comme une structure elle-même, qui n'est pas forcément simple. Le paragraphe précédent annonçait en effet que la résolution de cet objet ne s'effectuait pas forcément selon les mêmes schémas structurels que ceux qui expliquent ou ceux qui résolvent le niveau supérieur. On connaît ça très bien en physique. La structure de l'atome est loin de préfigurer celle du noyau. Enfin, la mélodie que nous avons supposée, comment ne le supposerait-on pas en Occident du moins, formée des notes du tempérament, eût pu tout aussi bien être un motif hindou, chinois ou à quart de ton. C'est-à-dire que, même par exemple si vous n'êtes pas familier de la façon dont ces structures sont proposées ou constituées, même si vous n'êtes même pas familier du travail sur les hauteurs que peut faire la musique indienne ou la musique chinoise, vous sauriez à l'écoute, voire à de multiples écoutes, si vraiment ça vous pose problème de vous retrouver dans ce genre de proposition, vous n'auriez aucune difficulté à trouver un motif, une structure, et à savoir la reconnaître quand elle se présente à nouveau. Donc c'est indifférent, je dirais, aux référents constituants de votre tempérament, par exemple. Mieux encore, cette mélodie, au lieu d'être scalaire, c'est-à-dire au lieu d'être discrétisable dans un certain niveau de degré d'échelle, c'est ce que veut dire scalaire, de pouvoir être placé sur, comme une gamme, c'est une échelle, pourrait bien être un glissando continu, c'est-à-dire un glissando continu, une arabesque des hauteurs, ou enfin un motif concret, profil dynamique, variation de masse. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on peut imaginer, quelqu'un qui est familier de la musique bruitiste ou familier de la musique acousmatique, comme je le suis, reconnaît des motifs. C'est-à-dire qu'on lui fait écouter une pièce de Schaeffer, il ne la confond pas avec une pièce concrète ou une pièce bruitiste de quelqu'un d'autre. On raconte beaucoup de conneries, genre Ducrot, sur la prétendue familiarité des motifs et tatatitatata, en disant « ouais, c'est indifférent », mais c'est des foutaises.
Je connais absolument par cœur le Denatura Sonorum de Parmigiani. Vous me faites écouter. Vous faites deux notes, mais enfin deux notes de son et mi de Denatura Sonorum, et je sais où je suis. Je peux vous dire à quel moment nous sommes des Denatura Sonorum. C'est normal, c'est banal. Vous êtes auditeur, vous savez sur quoi porter vos éléments de familiarité, de reconnaissance, etc. Donc ce fragment est encore reconnaissable et relativement transposable, c'est-à-dire relativement rejouable à des hauteurs différentes en gardant simplement les écarts. Alors si vous faites to, 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 et vous faites ta, 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 c'est la même chose transposée. Voilà. c'est toujours une forme qui mène au même genre d'analyse. Non, mais c'est vrai, on parle de trucs, autant les rendre compréhensibles tout de suite. Oui, tout le monde pas... ceux qui sont les familiers de ma chaîne ont déjà, m'ont déjà vu transposer des trucs. Oui, en même temps, c'est vrai qu'on parle du gars qui confond Tristan et Iseu avec Bien Poupoule. Qui ça qui Jérôme Ducrot. Ah oui. Mais j'ai pas suivi votre conversation d'avant. Qu'est-ce qui se passe, Suze? Il s'est passé des choses à plat. Je touche pas là. À plat, c'est ça. Ah bah voilà. Ah oui, là. Qu'as-tu fait? Non, c'est bon. On est au bon endroit? Oui, oui. Alors, c'est là que je voulais voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours une forme qui mène au même genre d'analyse. Il faut donc chercher ailleurs. Mais on n'est plus du tout au bon endroit, Agnès. Si, qu'est-ce que tu m'as foutu? Si, si. Mais non, ça c'est n'importe quoi. Mais non. 15-8, le couple, objet, structure, mais tout à fait. On n'est pas au bon endroit. Alors, hop. C'est bien, regarde, j'ai regardé 3. Voilà, c'est là, on était là. Ouais. Je touche plus à cette souris, voilà, pour aller dans le c'est bazar. C'est parce que je voulais regarder ce qui se passait dans le chat, j'avais l'impression qu'il y avait du fight. T'as besoin d'une souris pour aller dans le chat, tu vois. Ah bon? Alors où on en est? Une souris pour aller dans le chat. J'ai toujours une forme qui mène au même genre d'analyse. La souris est à l'intérieur du chat, je répète. Il faut donc chercher ailleurs à la fois ce qui est commun, et ce qui distingue de telles expériences de celles canoniques de la phrase mélodique, qui s'accompagne en supplément d'une structure de référence propre à un système. Une question se pose alors, et qui risque de dominer toute recherche de ce genre. Sommes-nous devant un problème particulier, relatif à la musique, portant sur la perception de nos structures auditives, ou plus général, touchant les structures de perception elles-mêmes, quel que soit leur domaine sensible? Dans le premier cas, la musique, domaine clos, ne devra qu'à l'empirisme de ses expériences propres, de distinguer peu à peu ses objets, ses structures, ses systèmes, c'est-à-dire pour pouvoir les dégager, si elles sont propres à la musique, il faudra rester dans la musique. Mais si ça n'était pas ça, l'hypothèse. Dans le second cas, elle serait un des terrains de manœuvre d'une recherche plus générale, interdisciplinaire, souvent annoncée sous le vocable de structuralisme. Moi, je vous rappelle que notre ami écrit dans les années 60, donc tout ça est encore très neuf. Hein, le structuralisme, donc cette espèce d'héritage bon, largement revu et pas forcément bien revu de Saussure, le structuralisme est en train de se mettre en place comme proposition théorique. Dans tous les domaines, de l'anthropologie jusqu'à la linguistique et la psychanalyse. Saussure, pour une part, Trubetskoy et Jacobson, surtout avec l'école de Prague, ont été les promoteurs d'une démarche aujourd'hui chargée d'un prestige si redoutable que le terme de naturalisme qui lui est opposé passe pour une insulte définitive, un peu comme le terme de paysan adressé à un amateur par un virtuose du volant. Quoique, n'étant qu'un amateur en la matière, nous nous y aventurerons cependant, non sans respect et avec intérêt. On ne saurait laisser la recherche musicale dans une telle solitude. Il est à souhaiter que des comparaisons avec la linguistique puissent nous éclairer sur des modes de structuration, en effet généraux. Mais il nous faudra bien en revenir aussi à la particularité de notre terroir, donc la musique, et garder d'autre part quelques méfiances paysannes à l'égard d'une panacée un peu trop universelle. Il a bien raison. Y aller, parce qu'il est malin, il sait qu'il y a quelque chose à grailler du côté du structuralisme, mais il sait aussi qu'il vaut mieux s'en méfier un petit peu. Oui, ça valait pas le coup, Suze, de mettre « touche pas à cette souris », il le dit tout le temps, Laurent, tout au long des lives, il va le dire lui-même en permanence, « arrête de toucher à cette souris, touche pas à cette souris ». Tu fais bouger le bitonio. Oui, j'ai fait bouger le bitonio, évidemment. Alors, personne ne t'aime, Suze, évidemment, c'est trop injuste. Et patati. Et patati et patata. Bon, et patata. J'ai fait un petit glissando pour faire plaisir. Et donc, on était sur notre lecture.
Est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu veux parler? Oui, tu veux continuer. Oh, on va l'écouter un peu, j'ai rien à dire sur la lecture. Non, c'était sur... À moins qu'il y ait des questions. Si tu voulais montrer soit comment marche le synthé, comment marche le dieu-moche, tout ça. On ou va tout écouter à la sixième on idée. Va écouter. Et puis après, okay. Pourquoi pas. On va, okay. Faire ça. On va aller jusqu'au au septième thème de réflexion. Tiens. Il est où le septième thème? Non, ça c'est la il septième est dans idée. Peu de temps. Ah, on d'accord. Est à la cinquième idée, il y a une sixième idée dans ce cadre. Ouais. Et on va passer après la sixième idée au septième thème de réflexion. Non, il y a la septième idée après. Ne dis pas non. Je dis pas non. Ouais. Arrête de dire non, arrête de toucher à cette souris et on n'est plus, on est moi, plus chez soi. Je veux bien, mais j'ai le déroulement devant les yeux. Donc d'accord, tu es d'accord. Probablement en train de te tromper de feuille. Je crois pas. Si tu es à la page 4. Donc, c'est pas dire que je suis pas à la bonne page. Ça, ah ben voilà. Arrête de toucher à cette page. On est là, camarade femme. Je suis plus chez moi, là, je vous le dis carrément. Hein. Allez. Alors, heureusement que je suis là pour un petit peu. Ah oui, heureusement de, que tu es là. Un ah. peu de normes dans oui, ce bordel. Ça. Parce que sinon, ce serait tellement brouillon. Ce serait tellement brouillon, ce serait tellement le chaos. Merci, Striga. Qui, quoi? Mais oui, mais combien de fois on te le dit? Tu le sais bien. Je t'ai dit que tu étais bienvenue et bien aimée ici. Tu pouvais cavalcader. Une cavalcade. Tu peux cavalcader autant que tu veux. Et même ruer. Tu veux, refais-moi cavalcader. Cavalcader. Encore That way he shed. Ouais, ça, si he shed. C'est une blague. C'est Guillaume Massard, et Laurent et Julia qui, pendant toute une soirée, ont essayé de me faire dire. That way she said. Voilà. What's that she said? Non. Vois ça, si Chad. Vois ça, Chad. Et j'ai jamais réussi. J'ai essayé pendant très longtemps et ça les faisait hurler de rire. Bah, c'est parce qu'on est méchants. Voilà. Donc, voilà. Cavalcader. Tu peux cavalcader, Suze. Cavalcade. Cavalcade. Donc, il y a eu un glissando dans la cavalcade. Cavalcade. Allez, on va écouter des choses sérieuses. Allez. Soyons sérieux, un peu. Moi, nous, vous pouvez rigoler, mais moi, il faut que j'apprenne des choses, il faut que je travaille. On y va. Et le timbre instrumental. Oh, alors, fort. On va. C'était voilà. Fort tout d'un coup. Sixième idée, voilà. Le timbre instrumental dans le contexte des causalités. Nous avons vu combien il est parfois difficile de reconnaître un timbre instrumental dès qu'un son isolé est séparé de son contexte. En revanche, le moindre incident de facture renvoie sans équivoque au façonnier. On peut dire alors qu'il y a un excès de timbre, mais le mot est employé cette fois... Parce que l'attaque était... L'attaque de cette trompette, on entend le façonnier, on entend celui, on entend l'humain derrière. Ouais, c'est ça, il ne faut pas l'entendre. Voilà, c'est ça. Ça peut avoir une singularité, il peut y avoir du sujet, mais pas trop. Suze a menacé Clint, hein. Ah, mais j'ai pas vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait cette affreuse. Je sais pas. Qu'as-tu fait ? Je sais pas ce qui s'est passé pendant que tu lisais. Suze te menace, dit Clint. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu fais ça ? C'est pas joli joli, hein. C'est donc... juste Clint qui m'embête, rien de nouveau sous le soleil. Ne me touchez plus, je marche pas, je suis snobé par les machines, personne ne m'aime, je vois pas l'endroit où elle le menace. Elle t'a menacé en privé ? Merci, t'es une vraie camarade. Ben, j'ai pas trouvé le moment de menace. Ah ben, j'ai pas vu. Voilà. Ah, elle m'a pas menacé ici en public. Ah, d'accord. Elle fait ça en douce, en privé. Ah, elle te menace en privé ? C'est très laid. C'est du harcèlement, ça ? Alors, on va réécouter ce coup de trompette, oui, mais le plus célèbre de coup de trompette foireux de toute l'histoire de la foirade, c'est celle-ci. Alors, ah, tu connais ? Ouais. Ah oui, dans The Party. Exactement. On parle très The souvent. Party. On peut essayer de trouver ça. Si vous ne connaissez pas, je pense que ça peut vous amuser. Alors, on peut essayer de trouver ça hein, pour voir comment, justement, le façonneur intervient. Et comment... Trumpet, pas... non. Ouais, non ouais, mais comment s'appelle le réalisateur? Black Edwards. Ouais. Les films de Black Edwards, je vous conseille carrément. C'est voilà, super c'est drôle, ça. The Party. C'est une scène qu'on va écouter. Voilà, comme ça vous allez l'entendre, il y a l'audio du bureau et vous allez voir comment effectivement un émetteur de son peut changer radicalement la donne
Voilà, faisons ça. Allez, histoire de la petite minute culturelle. Voilà, de la trompette. J'avance un peu. Voilà, la trompette. Du coup, il y a un timbre là. Différence de timbre. I just asked the same question. What's the answer? I don't know. I didn't tell them. No, look, you're the director. It was your idea to bring him over here. Donc on adore ce film ici aussi, Black Edwards évidemment, et puis dans ce film, il y a un moment où il y a cette chaussure là qui navigue dans la maison parce qu'il y a un petit fleuve, un petit ruisseau dans la maison, et ça me rappelait, comme j'ai regardé Tati il y a pas longtemps, on se serait cru un peu dans les jeux qu'il y a dans Mon Oncle ou des choses comme ça, il y avait une promiscuité. Et sinon, si vous aimez Black Edwards, n'hésitez pas à regarder des films qui sont un peu moins drôles, mais qui sont très bien faits, comme par exemple tous ces films sur l'alcool, dont Du vin et du rose. Le jour des vins et des roses, qui parle de l'alcoolisme dans un couple, et c'est super bien. Alors Lucie, c'est prévu. Je vais faire une nuit du cinéma d'animation expérimentale bientôt. Je suis en train de récolter pour vous des dizaines et des dizaines de petits chefs-d'œuvre d'animation numérique. Ouais. C'est-à-dire pour vous montrer toute l'invention numérique, parce qu'on connaît bien McLaren, Brakhage, ou Maya Deren, enfin toute l'histoire du court-métrage XP de plasticien, on connaît bien. Mais il y a une part du monde numérique, de la synthèse 3D, qui est expérimentale, qui est sublime, qu'on connaît moins bien. Et je vais faire une nuit pour vous montrer ça. Voilà, ça va pas tarder. Ah là, donc le trompettiste. Le trompettiste, voilà. On y était. On peut dire alors qu'il y a un excès. Voilà. On peut dire alors qu'il y a un excès de timbre. Mais le mot est employé cette fois dans une toute autre acception. Il ne s'agit plus de l'analyse des effets, selon les critères harmoniques et dynamiques,
mais d'un renvoi à l'anecdote causale révélée par des indices sonores. L'excès de timbre, dans le sens des causalités, peut alors brouiller les relations musicales possibles entre les objets. Par contre, en éloignant suffisamment les causalités, on va voir qu'il est possible de comparer musicalement certains aspects d'objets autrement hétéroclites. Voici par exemple deux objets complexes qui ont des relations harmoniques. En fait, il s'agit là de portions terminales de deux échantillons sonores provenant l'un d'une percussion de tôle et l'autre de son simulacre au piano. Le rapprochement des portions initiales illustre indiscutablement l'imitation et il n'a plus qu'un intérêt anecdotique. Autre exemple, voici les portions terminales qui ont des relations harmoniques. Et voilà leur anecdote causale relatée par les portions initiales. Le contexte est donc d'une extrême importance lorsqu'on veut comparer les objets. C'est ainsi qu'on renforcera encore les relations harmoniques si, au lieu de comparer côte à côte les portions terminales, on les enchaîne l'une à l'envers, l'autre à l'endroit. En tout cas, vous avez bien compris que là, la notion de contexte est extraordinaire parce qu'il y a des, on pourrait dire, des moments du timbre qui sont assez superposables entre des causes absolument différentes. Ouais, moi, ça me fait penser à la cuisine moléculaire. Tu sais, le fait que tu peux obtenir les mêmes sortes de goûts ou les mêmes sortes de propriétés avec deux trucs complètement différents qui n'ont rien à voir. Et ce choix de les mixer ou pas, justement. Est-ce qu'on combine des goûts très proches alors que les aliments, on ne les mettrait pas ensemble normalement, ou est-ce qu'au contraire, on va jouer sur l'opposition, l'imitation ou la similarité? Par exemple, associer deux aliments qui donnent un effet de gustatif et deux autres aliments qui vont donner le même effet gustatif. Alors là, plus que la combinatoire, on étudie la consécution, le fait que une certaine entrée complètement différente d'une autre puisse aboutir à des conséquences sonores, timbrales complètement identiques. Ça, c'est la chose quand même assez surprenante et assez contre-intuitive dès lors où on ne procède pas à cette découpe dans son chose qu'on ne fait jamais. Ouais. Les sons nous apparaissent toujours dans leur ensemble et dans leur contexte. Dans le cas de la musique acousmatique, effectivement, avec leur contexte, c'est-à-dire leur cause d'émission, leur source sonore. Je vais te foutre à cuire dans une marmite. Oh, mais... Tu es déchaînée, Suze. Oui. Voyons. Mais. Un peu de calme. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être que tu vas passer à l'explication. On finit juste. Ah, d'accord. La sixième idée. D'accord. Ça me paraît bien d'aller au bout. Ok, de la sixième allons idée. Au bout, allons au bout. Allons au bout. Donc là, il a dit dans le précédent. Il a une dit ce qu'il allait faire. Terminale. On les appelle les objets. C'est ainsi qu'on renforcera encore les relations harmoniques si, au lieu de comparer côte à côte les portions terminales, on les enchaîne l'une à l'envers, l'autre à l'endroit. Conclusion. Notre propos depuis quelques instants s'évade du domaine qu'il s'était assigné. Tant que nous comparions des bandes passantes ou des dynamiques, éléments de l'objet physique, avec la perception d'un timbre, élément de l'objet musical, nous poursuivions l'étude des corrélations entre musique et acoustique. Mais dès que nous faisons intervenir le contexte de causalité, nous entrons dans la psychologie de l'audition proprement dite. Je l'avais dit. Ici, notre alternative est celle de deux intentions d'entendre, soit un indice renvoyant aux causes, soit un objet sonore au sens strict. C'est par cette écoute réduite que nous prenons conscience de l'objet pour lui-même, que nous nous efforçons de le décrire par confrontation avec d'autres objets. Décrire un objet, c'est parler de sa forme, le confronter à d'autres, c'est définir son type. Nous voici aux portes de la morphologie et de la typologie.
C'est un super moment pour s'arrêter, parce Ouais. qu'on est en plein dans les fondements de la musique acousmatique. Alors Vraiment, moi, ce quoi. qui m'intéressait, c'est que tout au début, quand on discutait avec Laurent, j'avais dit qu'il y avait un facteur psychologique dans la musique, parce que quand on savait ce qu'on allait entendre ou quand on voyait ce qu'on allait entendre, on avait une attente psychologique et en fait, il me rejoint là-dessus. Complètement. Il y a une attente sociale, il y a une attente culturelle, il y a une attente poétique, il y a une attente évidemment physique, enfin De physico, contexte et tout. psychophysique du son, mais évidemment, il y a aussi une attente psychologique. Donc il y a tout ça en même temps, qui est, on peut rappeler, un dispositif préparatoire contextuel à ce qui va advenir du son au moment où on est dans une situation d'écoute, Donc quoi. tu voulais nous parler de choses, Laurent, Ouais. vas-y. Allez, à toi. J'avais envie de vous parler un peu de la synthèse. Voilà. On va prendre Voilà, un et on va cours de voir si ça synthèse. marche. Normalement, vous allez Alors. voir un petit peu avec moi. Donc ça, c'est voilà, Voilà. comme Il ça. y a mis. Et Le là. son va là. J'espère que ça va bien marcher. Tu vérifies dans le chat si j'entends bien les Ok, choses. je prends la place du chef. Et puis surtout, alors, ce que je vais faire, c'est important. On met la petite caméra pour Agnès et on met la raseur ici. Ah ben oui, c'est-à-dire que voilà, je suis pas la star, c'est le Voilà. synthé. Je vais essayer d'aller dans Alors, le je bon vais fauteuil commencer quand même. déjà par monter. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, les gens? Dites-moi. Dites-moi si vous m'entendez. Je vais déjà déclencher Salut Zazie. la machine. Vous me dites si vous m'entendez. Et moi, je vais aller chercher le dernier son. C'est un son neutre. Hein, on va commencer sur un son. Oui, c'est à MS 2000. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous l'entendez? Dites-moi. Y a Clint qui te demande, il est sorti quand celui-là? Ben, comme son nom l'indique, je pense c'est en 2000, quelque chose comme ça. Donc, il est bâti, alors il a à peu près, à quelque chose de près, le même timbre qu'un MS1. C'est son descendant direct et il lui ressemble beaucoup. Il a la même richesse de son. C'est un bonheur de retrouver sur cet instrument un peu plus simple d'utilisation qu'un MS20. Le Parce que MS20. l'MS-20, il est des années 20. Non. Dis le MS-2000, il est sorti en 2000. Non, pas du tout. Le MS-20 n'est pas du tout des années 20. Pour autant, c'est un vieux synthétiseur qui permettait d'affecter le circuit électrique donc, qui passe à travers cet instrument en utilisant directement des fils qui passaient d'un endroit à un autre, des petites fiches, des fils Ouais, électriques j'ai déjà vu, qui ouais. permettaient, tu as déjà vu ça. Voilà. Donc Clint, il a son filtre aussi? On va parler de tout ça, on va parler de ce que c'est qu'un filtre, on va expliquer tout ça assez rapidement. On va commencer par quelque chose de simple. C'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est des oscillateurs. Celui-ci a deux oscillateurs que vous pouvez voir ici, le 1 et le 2. Les oscillateurs, c'est quoi? Ce sont ces petits boutons qui vont avoir une action sur la tension du signal, c'est-à-dire la tension électrique qui mesure, enfin c'est la circulation du champ électrique, le long d'un circuit électrique, la tension entre deux pôles, c'est le truc qui se mesure en volts. C'est pour ça que ce sont des VCO, c'est des Voltage Controlled Oscillators. On va toucher à ce courant électrique qui passe, on va faire varier cette tension, et cet oscillateur donc, 1 et oscillateur 2. Alors pourquoi 2? Parce qu'en les combinant, en combinant ces deux signaux, eh ben on va enrichir le son. Donc on a la possibilité d'enrichir le son. Alors si on multiplie les oscillateurs, évidemment, on multiplie les possibilités de l'enrichir. Donc on multiplie la possibilité d'agir sur les signaux électriques qui passent à travers de ça. Cette tension, là, l'oscillateur, il la reçoit du clavier. Mais sur ce type d'instrument ou sur d'autres types d'instruments, il pourrait la recevoir de plein d'autres choses. Il pourrait la recevoir d'un générateur de bruit, par exemple, ou il pourrait la recevoir, ici il y a une entrée analogique, d'un micro. On pourra envoyer un signal analogique qui affecterait cette tension. Donc vous C'est l'avez dommage qu'on compris, ne te voit pas, Laurent, parce que tu es en le train plus d'expliquer. intéressant se passe ici. Donc c'est Oui. beaucoup mieux comme ça. D'accord. Ok. C'est là que ça se passe et comme ça vous allez pouvoir. Mais je veux pas l'intérêt qu'on me voie. Ce qui serait bien, Mais si, c'est. c'est bien qu'on te Oui. voit. Tu veux pas Non, qu'on mais te non, voie? non, non, je ne veux Non, pas il qu'on me veut pas voie. qu'on le voie. Je ne D'accord. veux pas qu'on me voie. Je veux qu'on reste concentré là, qu'on ne voit pas ma gueule d'idiot. Je veux qu'on regarde les boutons et qu'on comprenne ce qui se passe. Allez, on regarde les boutons. Vous Tous, on regarde avez les boutons. deux oscillateurs. La première chose qu'on peut changer d'un oscillateur, c'est la forme de son onde. Là, ils sont, vous voyez, il y a deux petits boutons rouges ici. Ils sont sur des ondes triangulaires, ce qu'on appelle les sous-sous ou ondes en dents de scie. C'est une forme d'onde qui a un son assez brillant. C'est pas mal comme base de son pour les cuivres, par exemple, ou les instruments à cordes. On change ici les formes d'ondes, qui peuvent être ici une onde carrée. Une onde triangulaire.
beaucoup plus douce. D'accord. Vous pouvez avoir des ondes de bruit, vous pouvez avoir, ici c'est une sinusoïde. Alors celle-ci, c'est une onde assez pauvre. Elle est très pauvre en harmonique, mais elle peut servir de support pour une autre onde. Ça, on va parler un petit peu après de ce que les ondes font entre elles. Mais la sinusoïde, elle va servir pour assez peu pour construire des instruments complexes. Et vous avez sinon la possibilité d'utiliser des formes d'ondes plus étranges. Et là, ça, c'est du bruit. On l'entend pas. Parce on n'entend rien. Non, mais pour ça, il faudrait qu'elle soit générée avec quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait déjà une onde pour qu'on l'entende, c'est ouais. ça Ce que vous pouvez faire, et ce que vous allez contrôler au début sur vos oscillateurs, et vous allez affecter, pour commencer, les hauteurs. Vous avez toujours deux possibilités, deux contrôleurs pour ça, une fois que vous avez choisi votre type d'onde. L'un général, qui généralement fait des sauts d'un octave à un autre, et un plus fin. Le son sort là. Oui, c'est pour ça. Est-ce que vous l'entendez bien? J'aimerais bien savoir si eux, ils l'ont bien dans le chat. Est-ce que vous l'avez bien dans le chat? Je crois qu'il a été répondu à cette question tout D'accord. à l'heure et que les gens l'avaient bien. Le plus important, c'est l'équilibre entre ma voix et les sons, que vous puissiez avoir les deux en même temps. Voilà. Est-ce que vous avez bien la voix de Laurent et le son? C'est important. Donc, vous avez vos deux oscillateurs et ici, vous voyez, vous avez une petite barre qui sert généralement à mixer les différents oscillateurs. Ce qui fait que si vous utilisez deux ondes, imaginons par exemple, alors, si vous mettez deux ondes triangulaires, il ne va pas se passer grand-chose, sauf que voilà, les deux sont au même niveau. Mais si vous commencez à changer... Wow. Voilà. Vous voyez déjà la différence. Donc là, comme je vous l'ai dit, ici on saute d'une octave à l'autre, et là on est dans une finesse. Ah ben voilà le glissando. On est déjà dans un travail instrumental quand vous faites ça. Là, on est quasiment sur des harmoniques. Et là, on entend une dissonance. Vous pouvez donc, dès le départ, avoir un son qui va aller soit vers un enrichissement. Si vous avez des harmoniques, ça veut dire qu'il va y avoir une régularité de votre son. Les ondes vont se répondre. Elles vont avoir ensemble une forme de vibration qui, numériquement, va faire que l'une sera divisible par l'autre. Mais vous pouvez déjà être dans la dissonance. Là, on a le même type d'onde. Mais si vous affectez des formes d'ondes différentes, une onde carrée, une onde triangulaire... Là, tu as mis une onde carrée qui affecte une onde triangulaire, Exactement. C'est ça ? Exactement. Elle ne l'affecte pas, ils jouent ensemble. Là, c'est comme le principe des tuyaux d'orgue. D'accord. Pour l'instant, on les écoute simplement mixer ensemble. Donc, mais... triangulaire et carré, c'est leur forme. C'est les formes d'onde. Mais du D'accord. coup, ça donne leur timbre, ou pas du tout ? Ça compose une partie de leur timbre. D'accord. C'est la base okay. pour construire votre timbre. C'est exactement ce que vous faites au début. Vous choisissez des formes d'onde. Là, on est en train de sculpter du son. Exactement. Et ici, une triangulaire. Vous pouvez faire un saut beaucoup plus général dans les octaves avec généralement une affectation du son supplémentaire qui permet de sauter dans les octaves les plus basses ou monter dans les octaves les plus hautes. Alors je précise que Laurent appuie sur la même touche. Si tu veux qu'on voit tes doigts sur les touches, il faut que tu les montes tout en haut, Laurent, d'accord ? D'accord, je les mets là. Ouais, donc il a appuyé sur la même touche, mais c'est... Voilà, je vais appuyer tout en haut des touches, si vous voyez mes doigts, ouais, ils ouais. sont ici, d'accord ? Mais j'appuie presque toujours sur la même touche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici, c'est ça que je vous montre. Ouais, c'est ça, d'accord. mais... Parce que c'est là que ça se passe. En fait, il faut bien comprendre qu'un claviériste de synthé qui fait de la musique acousmatique ou électronique n'est pas un pianiste. En fait, en vérité, une seule note suffit. On n'a pas vraiment besoin de tout ce clavier. C'est un peu utile, mais c'est pas très utile, finalement. Mmh. Oui, on sculpte plus le son avec le... Comme vous disiez au début du live, on sculpte avec les potards, en fait, là. Avec les... C'est ça, ce que tu es en train de toucher, les boutons, là, que tu touches. On a quelque voilà chose un exemple fin. Typique. On ne fait que toucher, par exemple, la valeur de hauteur de l'oscillateur 2, ça suffit. Vous voyez ici quelque chose qui est écrit, c'est « ring » et « sync ». Alors le « ring », c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un modulateur, c'est le « ring modulator » ou « modulateur en nano ». Il est associé au deuxième oscillateur. Et c'est là que ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. Le « ring modulator » utilise la forme de l'onde qui est là, que j'ai choisie, qui est triangulaire, carré ou en « dancy ». Et elle va être
porteuse pour traiter le signal de sortie du premier oscillateur, qui va être son signal d'entrée. Donc ça va produire une multiplication du signal de départ pour des nouvelles harmoniques. Ça peut être très utilisé pour les sons de cloche. On va voir ce que ça donne. Je mets le ring modulateur. Écoutez ce vibrato. Un vibrato. Vous entendez ce beau vibrato ? Et je trouve quand même, pour répondre au chat, que par rapport à ce que tu dis, Clint, d'avoir un petit plugin sur l'ordi pour apprendre par soi-même, moi je trouve que quand même, quand il ne connaît rien du tout, le fait de toucher les boutons, et on voit les dessins, là, vous voyez bien ici sur l'image, on voit les dessins de l'onde, on voit... on va manipuler, on sait quel est le facteur qu'on va moduler, le facteur qu'on va impacter. Alors que quand on a des plugins, je trouve que c'est beaucoup plus flou. Moi, quand je suis devant un truc du GRM et tout ça, j'ai beaucoup plus de mal à aller chercher un outil et à savoir ce qu'il fait exactement. Est-ce que... Ça là ? Non, ce qui est sur le fauteuil. Ça ? Ouais. J'ai beaucoup plus de mal à savoir la granulation, ce que c'est, qu'est-ce que ça va être dans, tu vois, les modifications d'enveloppe et tout ça. Déjà, les termes, je ne les comprends pas bien. Alors que là, en fait, même de façon très naïve, tu peux toucher les boutons et tu vois ce que tu affectes du son, tu l'entends. Et je trouve que c'est très parlant pour quelqu'un qui ne connaît rien. Alors évidemment, il y a un moyen de retrouver un peu ça, c'est ce genre de choses, c'est des contrôleurs MIDI, qui permet d'assigner à toutes les valeurs d'un plugin, par exemple, tel ou tel bouton, pour faire varier effectivement l'équivalent en plugin. Mais là où tu ne te trompes pas, c'est que ça, c'est une espèce d'abstraction générale, ouais. C'est le contrôleur lui-même, il a son propre système de rangement. Ouais. Alors que là, on a un dispositif qui n'a pas son équivalent, qui est un instrument qui est pensé pour être joué de telle ou telle manière. Mmh. Et tout ça n'est pas indifférent. C'est rangé de façon très très propre. Donc vous avez les oscillateurs, et si vous comprenez ce que c'est, si vous avez pigé ce que c'était un VCO, c'est-à-dire que c'était un contrôleur de voltage, et que vous êtes en train de faire varier la tension, vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Vous changez le signal électrique, vous l'affectez avec ceci, vous savez que vous lui donnez une forme d'onde. En fait, c'est que, comme pour les ondes Martenot, le clavier, on l'a rajouté que pour... Que les gens s'y repèrent un peu, mais finalement on pourrait jouer sans clavier. On peut tout à fait jouer sans comme clavier. Comme les ondes Martenot, je reprécise, qui est une altération du son en direct, hein, dans le système un peu avec des lampes. Donc il n'y a pas besoin normalement de clavier. C'est exactement. Quelque chose qu'on a... Au début, il était juste peint d'ailleurs. Exactement. Donc je joue ça là. Donc déjà, entre vos deux trucs, vous avez le modulateur nano. Donc qui, comme je vous l'ai dit, fait que le deuxième oscillateur utilise sa forme d'onde porteuse pour traiter le signal du premier et donc multiplier ce signal de départ pour des nouvelles sortes d'harmoniques. Ensuite, vous voyez dessous le mot sync, synchronisation, synchronisation des oscillateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la phase de cet oscillateur-là, donc la phase d'oscillation de l'oscillateur 2, va être synchronisée avec le premier. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'oscillateur 1 va entamer une nouvelle phase de son oscillation, l'oscillateur 2, qui est synchronisé, est forcé de reprendre sa propre phase au début. Il se synchronise avec lui. Donc il ne va pas y avoir de déphasage. Les cycles de forme d'onde de l'oscillateur synchronisé vont donc se dérouler librement entre les cycles de forme de l'oscillateur 1. On va le faire. Synchronisation. Et donc, on a un sentiment d'harmonie plus grande, forcément. Et là, on a les deux en même temps. Vous entendez ce qui se passe ? Ok, donc pour l'instant on va rester là. Pardon, j'ai monté le truc du coup. Ouais. Donc là vous avez un mixeur. Des ondes qui peuvent se désynchroniser, se resynchroniser Au départ elles sont désynchronisées. Donc on entend les battements comme quand deux instruments joueraient une note très légèrement. Exactement. Donc on peut... C'est pour ça qu'il y avait tout à l'heure un effet de dissonance assez sympathique. On va partir sur celle-là et on va essayer de comprendre la suite. Donc là, on a
juste l'oscillateur 2 qui est joué, donc cette onde triangulaire. Et grâce au mixeur, on va lui mettre cette onde en dents de scie par-dessus. On peut rajouter ici un générateur de bruit. Ça permet d'enrichir le son. Et vous verrez que selon le type de fréquence, ça peut devenir une sorte de combinaison rajoutant de l'aléatoire sur votre son. Pour l'instant, on va se passer du bruit pour comprendre un peu ce qu'est le filtre. Alors, les filtres, il faut déjà commencer à choisir quel type de filtre vous allez utiliser pour votre son. Donc ces filtres, c'est ce qu'on appelle des filtres VCF, Voltage Control Filter. Les filtres de contrôle, donc de tension, de voltage. On en a déjà parlé avec Pierre Schaeffer, il y a un filtre passe-bas, donc qui laisse passer les graves et qui coupe les aigus. On appelle ça un LPF ou Low Pass Filter. Vous voyez ici, 24 LPF, 12 LPF, donc qui font passer plus ou moins large bande du spectre grave ou du spectre grave pour le filtre passe-bas. Il y a un filtre passe-haut, qu'on appelle le HPF, le High Pass Filter, qui lui fait le contraire, il retire juste les graves. On voit ce qui se passe. High Pass. C'est la même note en High Pass et en Low Pass Filter 24, Low Pass Filter 12. Et vous avez au milieu ce qu'on appelle un filtre passe-bande qui laisse passer seulement les médiums, et c'est la combinaison en fait des deux précédents, ça donne ça. On va rester sur le filtre passe-bas. Maintenant, c'est quoi tout ce petit bordel? Ben, c'est ce qui permet d'agir sur ces fameux filtres, de l'affiner, de transformer le son, mais pas comme un bourrin. Il va bien falloir à un certain moment, par exemple quand on fait un filtre passe-bas ou un filtre passe-haut, dire bon, on filtre à partir d'où? On filtre au-dessus de quoi? En dessous de quoi? Et c'est à ça que servent toutes ces choses. Le premier bouton que vous avez ici, c'est le cut-off. On pourrait dire que c'est un contrôleur de brillance du signal. Il va donner la fréquence de coupure pour les filtres passe, donc quel que soit le filtre, hein, passe-bas, passe-haut ou passe-bande. Et là, il va définir la fréquence à partir de laquelle un filtre agit. En fait, plus ou moins haut, plus ou moins bas. Dans un filtre passe-bas, un LPF, plus la fréquence de coupure va être élevée, plus la fréquence des signaux autorisés à passer va être élevée. En gros, il va laisser passer plus ou moins des parties du son. Il va élargir ou rétrécir les mailles de son filet. Voilà. Juste à côté, vous avez la résonance. La résonance, c'est elle qui va accentuer ou supprimer des portions de signal qui vont être supérieures ou inférieures à la fréquence que définit ce cut-off, donc ce point de jonction. Alors elle va avoir une action différente dans un filtre passe-bas. Dans un filtre passe-bas, donc le LPF, la résonance va accentuer ou supprimer les signaux inférieurs à la fréquence de coupure. Si on prend un filtre passe-haut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accentue ou supprime les signaux inférieurs à la fréquence des coupures. Non, supérieurs. Prédéfinir. On commence avec ça, à définir l'endroit, l'endroit où ça passe. Couper. Le crible, si tu veux, l'endroit du tamis. C'est comme un tamis, comme un... Et là, on accentue où on supprime les signaux, c'est-à-dire qu'on va vers travailler la brillance. C'est joli. Oui, c'est beau. On ensuite, dirait des petites sirènes. Je veux dire l'animal, le joli petit animal sirène. Enfin, c'est pas vraiment un animal, mais... Et là, on a ce qu'on appelle le keyboard.
amount, c'est un paramètre qui fait en sorte que les opérations de filtrage vont être plus ou moins sensibles sur le clavier selon la note jouée. Donc ça sera plus ouvert sur les notes aiguës et plus fermé sur les notes graves. Donc vous avez compris que toute cette zone-là, elle sert donc à agir sur la qualité du filtre. On est d'accord? Maintenant, ce qu'on va regarder, qui est important, c'est les LFO. Le LFO, c'est ce qu'on veut, ce qui s'appelle, enfin ça veut dire Low Frequency Oscillator. Et là, on va rentrer dans la complexité du son. Vous en avez deux, des LFO, LFO 1, LFO 2. Et ces low frequency oscillators, ces oscillateurs de basse fréquence, c'est des générateurs d'oscillation, mais de très basse fréquence, donc ils sont très différents de vos oscillateurs de base, et c'est tel que vous n'allez pas entendre ces fréquences. Alors, vous allez dire, mais ça sert à quoi, Lolo? Ça sert à rien, tes conneries. Mais pas du tout. C'est très utile parce qu'elles vont servir à agir sur le signal pour commander des modulations périodiques plus étirées dans le temps sur le son. Elles vont servir de support à ces modulations. Voilà ce que ça donne. Là, on est sur une onde triangulaire du premier oscillateur. Oui. Plus ou moins rapide, on change la fréquence. Ah oui, on entend bien. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle affecte? Parce que c'est important de savoir sur quoi elle agit. Vous avez ici un endroit où vous dites ce LFO, ce générateur d'ondes de basse fréquence, il va agir sur quel aspect du son? Eh bien, vous allez le choisir. Ici, il agit sur la hauteur. Soit très rapidement. Soit très lentement. On peut changer sa forme aussi. Vous avez des sélecteurs pour ces deux générateurs de basse fréquence qui peuvent aussi être plus ou moins aléatoires. Tu entends? Oui, j'entends très bien. On est là. Générateur aléatoire. Mais là, ce LFO, on lui dit, va attaquer le pitch. Mais il pourrait attaquer celui de l'oscillateur numéro 2. Et ça donnerait... Alors, on va rester sur une onde triangulaire pour mieux comprendre. C'est-à-dire, il n'attaque que le pitch de l'oscillateur 2. Et là, que le pitch du 1. Soit il va donner un niveau de bruit. Alors là, il n'y a pas de bruit du tout, donc il faut en rajouter. Bah. Pardon. Soit sur le cutoff lui-même. Donc la valeur du cutoff peut être affectée par le LFO, c'est-à-dire le générateur de basse fréquence. Et vous en avez un second, et à lui aussi, vous allez pouvoir dire quelle valeur il va, à quelle valeur vous allez assigner, qu'est-ce qu'il va affecter. Voyons ce que le LFO 2 fait. Frequency oscillator. Et du coup, ça le granule, ça fait quoi? Cette onde de basse fréquence, elle sert de support ensuite à des interventions sur les, on va dire, sur les opérations de ton choix. Donc, ça le granule, c'est pas ça que ça fait. Ce que ça fait, c'est cette onde porteuse, elle peut être assignée, comme je le montrais, à différents aspects du son. Elle peut affecter différents aspects du son, soit sa hauteur, soit son amplification. Ça, soit... tu le choisis, en fait. Oui, ça. Tu le choisis. Soit, comment sa latéralité, son panoramique.
Donc il peut changer quelque chose du panoramique. Alors je ne sais pas si on va l'entendre parce que nous on a une petite enceinte qui n'est pas très panoramisante. Mais et voyons ce que ça donne. Elle est sur le panoramique là. Ah mais vous ne l'entendez pas. Il faudrait vraiment un dispositif plus intéressant. C'est pas grave. Bon, il faudrait avoir un truc dans l'espace beaucoup plus puissant pour que vous entendiez tout ça. On continue. Donc là, vous avez vu tout l'intérêt, ces zones de basse fréquence. Ces générateurs, pardon, de basse fréquence. Maintenant, on va les enlever. On va revenir à notre son pur. Juste pour que vous compreniez la notion d'enveloppe, cette fois-ci. Il y a ici deux générateurs d'enveloppe. Vous allez dire, mais pourquoi deux, puisqu'on a juste un timbre à produire, un son à produire, pourquoi deux générateurs d'enveloppe? Ce qui est intéressant, c'est que vous avez celui-là, c'est celui de votre son, à proprement parler. C'est pour ça qu'on l'appelle amp, c'est qu'il est lié à votre ampli. C'est la forme, c'est la dynamique de votre son, qui va partir de son point de départ jusqu'à sa chute. Là, c'est une attaque relativement rapide. Attaque plus lente. Donc, vous l'entendez bien là ? L'attaque, c'est la montée du son entre le silence et le moment où il va atteindre son volume maximum. Vous l'entendez bien ? Ok. Ensuite, vous avez un deuxième bouton, c'est ce qu'on appelle le decay, c'est-à-dire la première chute. C'est le moment, la période de l'enveloppe, qui agit tout de suite après l'attaque, après que le son ait atteint son volume maximum. On va voir comment ça fonctionne, le decay. J'enlève le sustain pour qu'on voit. Voilà ce qui se passe. J'ai indiqué, vous voyez, qui est ici. Ça veut dire ce qui se passe, c'est un decay médium. Une fois que le son atteint... Decay en français, ce serait quoi déjà? Comment on dirait? Chute, je crois. Chute. Je crois que c'est la chute. On appelle ça la première chute. Et le release, on appelle ça la deuxième chute. Écoutons cette première chute et changeons-la. Tu vois ce qui se passe? Il y a une petite douceur, douce, ouais. Et si elle est très courte... Chaque note part en mourant. Comme... Et si je fais ça, si elle est au minimum... Je sais toujours pas qui est cette... S'il y a un temps très court, à peine l'attaque va avoir atteint son apogée, que va-t-il se passer? Ah, c'est coupé très net. C'est très net. Ah, decay propose clean comme déclin. Déclin, très joli. Donc là, vous pigez à quoi sert le decay? Oui, parce qu'on parlait de mort lente ou de mort rapide. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe quand le son a atteint son maximum? Eh bien là, puisqu'il n'y a pas de decay, il s'arrête. Si on mettait un decay très long... On n'a pas dans un instrument manuel, sauf... Enfin, un instrument, la harpe, tu peux arrêter une corde, tu peux étouffer une corde, étouffer, mais ouais, c'est jamais aussi brutal, j'ai l'impression. Là, tu peux aller vers une grande brutalité. Là, c'est très long. Enfin, on peut être brutal, enfin. C'est très très long, mais comme il n'y a pas de release, de deuxième chute, dès que je lâche, c'est fini. C'est ce que j'allais dire, est-ce que si tu lâches, ça continue? C'est ce qu'on va regarder est-ce ensemble. Qu'on peut avoir une... Ça s'arrête. On te voit pas appuyer sur la touche, c'est dommage, Laurent. Voilà. Et si on veut prolonger, on... Maintenant, on va regarder le sustain. C'est quoi le sustain? Sustain. C'est la tenue de la note. Tain, comme ça. Soutien, le soutien de la note. Sustain, comme ça. S-U-S-T-A-I-N. Ouais, c'est ça. Donc voilà ce qui se passe avec un gros soutien de la note. Là, le soutien est au maximum. Mais il n'y a pas de decay. Donc, il atteint le truc. Il ne se passe rien pour l'événement de decay. Maintenant, mettons du decay. Et mettons un bon decay et un petit soutien. Le son résiduel, c'est le soutien. Vous l'entendez? Il y a un son résiduel. Enfin, moi, je l'entends. Je ne sais pas si vous l'entendez. Vous allez l'entendre. On a une montée de l'attaque sur une certaine durée, qu'on n'a qu'à mettre assez courte. Donc, petite attaque. Bon decay.
j'aime bien. Et vous entendez la tenue du sustain, qui est plus douce, plus basse. Elle pourrait être très forte, ça donnerait gros soutien. D'accord ? Vous comprenez ? Ce sont des indications de la hauteur de votre son, de son intensité, pardon, pas la hauteur, de l'intensité du volume, en gros, à chaque moment du son. Reste la question du volume. Alors là, voilà une attaque typique. Pas d'attaque. Donc, typique vers la percussion. Ah, j'aime bien. Ça, c'est le diquet. Dire des pop-corn. On a donc l'attaque la plus courte. Le sustain. D'accord. Donc là, on a très faible attaque. Là, ça veut dire qu'on a le son. Là, si tu joues... On a le son tout de suite, puisqu'il n'y a pas d'attaque. On est d'accord. Et on a un peu de diquet. Ce qui donnerait, si je rajoute du diquet... D'accord. Petite attaque, gros diquet. Maintenant, on va voir ce que c'est que le release grâce à ce type de son. Le release, c'est ce qui se passe quand vous avez lâché votre note. Si vous en mettez beaucoup, voilà ce qui se passe. Ah ouais, Laurent n'a plus pu. Il a plus pu. Ses mains sont... Voilà. Sans les mains. Gros release. Release, ça veut dire... retiens la nuit. Détente. Non, détente. La deuxième chute, moi j'appelle okay. Ça. C'est la dernière partie. C'est la disparition du son tout de suite après qu'on ait lâché la note. On est déjà dans de la composition là. Et maintenant on va rajouter du sustain, vous allez voir ce qui se passe. On fait une petite attaque avec des percussions. Je vais monter ça à fond et on va au sustain. Donc maintenant, je vous dis rapidement à quoi sert l'autre enveloppe générateur. Tout simplement, l'enveloppe générateur qui est ici sert à donner une enveloppe différente à votre filtre. C'est-à-dire tout ce que vous faites là, vous pouvez affecter différemment le filtre, c'est-à-dire donner plus ou moins de release à votre filtre. Vous faites en sorte que le filtre soit coupé avant que votre son ne soit achevé dans son propre release. Donc vous pouvez avoir un son qui dure longtemps, mais le filtre a un release nul. Donc ça va être filtré au début et pas du tout à la fin. Comme ceci. Ça, c'est la musique des sphères, là. Hein. Donc là, l'attaque du filtre, elle est immédiate, puisque c'est au début. Mais vous pouvez aussi faire en sorte que le filtre n'arrive qu'à un certain moment du son. D'avoir agité ça en citation. Sans sustain. Pas de sustain sur le filtre. Même pour des petites oreilles.
C'est tout. Oh, tu trouves ça trop aigu encore, Suze? Bah, pourtant, là, c'était plutôt doux. On n'était pas trop dans les aigus, normalement. Hein. Je pense que vous avez à peu près pigé comment ça marchait. Ça sature un peu chez vous, à mince. D'accord. Ah. C'est possible, parce que là, le son, il n'est pas... Moi, j'ai pas de carte son correcte qui permettrait de... De faire rentrer de ça. De faire dedans. Rentrer ça directement dedans, donc... je vais aller faire un petit pipi. Est-ce que vous avez tout pigé? Allez, est-ce que vous avez compris comment ça marchait? Vous avez intérêt à dire oui, hein? Là, je pense avoir été à peu près clair. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de vous faire un truc à peu près clair. J'espère que c'est clair pour vous. Je suis désolé si c'est un peu saturé, parce que c'est compliqué pour moi. Sur la machine d'Agnès, il n'y a pas d'entrée micro qui me permettrait de faire ça à peu près proprement. Donc, c'était forcément un petit peu compliqué. Voilà. Ah, c'était clair. Mais j'aime bien l'idée que... Pour beaucoup de gens, c'est quand même c'est un gros tas de boutons, quoi. Et je dirais qu'il y a aussi beaucoup d'utilisateurs de synthé qui bricolent, mais ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Et quand on voit que même quand on sait ce qu'on fait, même quand on connaît la valeur de chaque bouton, ce qu'il fait, rapidement on est dépassé par les événements, parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre chacune de ces variables. Vous vous en doutez bien, il y a plein de vos gestes qui vont en affecter d'autres. Et vous avez beau savoir ce que vous êtes en train de faire, ça reste quand même un univers mental et sonore où vous pouvez être renversé et surpris, ou quelque chose peut vous échapper, de la même manière que quand vous jouez de la musique sur scène avec des instruments électrifiés. Moi, il y a des choses. Il y a des paramètres compliqués, genre hein, l'arsène qui revient, vous n'avez pas prévu le coup, quoi. Moi, il y a des choses, par exemple, que j'ai du mal à comprendre, c'est quand tu affectes un des outils qui affecte un des paramètres. Ouais. Et souvent, je ne sais pas lequel c'est, en fait. Hein. C'est ça, très compliqué. Mais est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, c'est un peu plus clair, mais quand tu rajoutes des choses aux choses aux choses, séparément, j'arrive à comprendre, mais quand je rajoute les choses, j'ai souvent, ça m'échappe, quoi. Je ne vois plus ce que je suis en train d'altérer. Le son m'échappe et je n'arrive plus à trouver le son que je cherche. Par exemple, si un jour, j'ai avec les GRL Tools, par exemple, si je trouve un son qui me plaît, et que je veux le retrouver, j'arrive pas à le retrouver parce que je sais pas ce qu'il faut toucher, quoi. Sur quoi il faut agir. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça que j'ai le plus de mal à faire. C'est pour ça que je pense qu'il faut énormément expérimenter. Alors toi, tu piges pas tout quand tu es sur la partie semi-modulaire. Ouais. Bah, de toute façon, je crois qu'il y a même les plus, je dirais, les plus pointus. Ah, il faut que je m'occupe un peu. Allez. Du feu. Quand même. Bon, hey, le bot, ouais. Tu arrêtes, hein, il y a déjà assez comme ça de... Faut écouter la suite, hein. Faut créer des presets, tu me dis, bah oui, ouais, oui, c'est-à-dire, ça veut dire que ça enregistre tout ce que je fais, c'est ça? Les presets, oui, c'est ce qui te permet... Alors, soit je peux revenir en arrière pour savoir ce que j'ai... Non, c'est pas ça? Alors, t'as des presets d'usine, c'est-à-dire des pré-réglages. Un preset, oui. C'est une série de paramètres qui vont ensemble, que tu peux soit sauvegarder si c'est toi qui les as créés, soit tout simplement des presets d'usine qui te permettent d'aller droit au but. Sur un tel logiciel, sur un tel synthétiseur, par exemple, tu as de A à H. Donc là, c'est le H16 sur lequel je suis venu, qui est une onde pure. Qui me permet vraiment de sculpter, en fait, du moins j'utilise que ça. Ouais. L'oreille, je m'en branle. Tu... Mais t'as 16 fois, enfin de A à H, multiplié par 16, tu as des sons. Chaque son est un preset, en fait. C'est un ensemble de données qui sont précisées. Présélectionnées. Sont... Ouais, oui, mais moi, par exemple, faut que je crée des préceptes. Mais ça, je le fais déjà, je crois. Mais quand je trouve un son en ayant bidouillé, enfin, je joue jamais là-dessus. Hein. Je joue toujours sur des GRL Tools, sur des sons faits à l'instrument, par exemple, et puis je les modifie comme ça. Mais quand j'arrive à une forme de son, après, j'arrive pas à retrouver. Il faudrait que quelque chose enregistre tout ce que j'ai fait, toutes les granulations, tous les machins que j'ai ajoutés. Tu voulais nous montrer Audiomush aussi? Non, mais puisque tu parles de ça, voilà sur quoi travaille généralement Agnès là-dessus. Ah oui, c'est ça. Elle travaille sur Audiomush, qui est un outil qui vous permet assez facilement de créer des générateurs de signaux. Là, voilà un très très simple, c'est un générateur d'harmonique. Voilà, avec sa propre petite sortie, donc vous l'avez là. Il faut dessiner dans l'espace qu'on relie, comme s'il y avait des fils, comme si on installait des fils. Voilà, exactement. C'est ça que vous faites. Donc, c'est assez simple à utiliser. Ça peut vraiment être fait par des déboutants. Et
Là, vous entendez une onde, par exemple. Ah oui, il faut que je mette mon machin pour l'entendre. Vous avez un générateur harmonique, donc ça va vous permettre d'ailleurs de bien comprendre, vous voyez la courbe harmonique. Je l'entends pas, que ça moi fait. Tu l'entends pas. Ah, ça y est, je l'entends. Ah, elle était très grave, oui, très elle basse. Est très, très grave, ok. Ah. Et si par exemple. Un générateur de signaux, on appelle ça un œuf, mais tout à fait. Il y a 10 portions de fréquence, et voilà ce qui se passe quand vous très les mettez. Très drôle. Mêlez. Ah, j'ai qu'un bout. J'ai qu'une oreille, c'est pour ça. Merci. Donc là, vous voyez bien ce qui se passe sur les effets d'onde. Hein. Et les outils dont parle Agnès, par exemple les outils du GRM. Mettons-en un ici. Et alors, c'est très visuel. Ça, ah, tu ne les as pas ici, dis donc. Ils n'ont pas été installés pour l'instant. Ah bon? Bah oui, non. Parce que tu m'as réinstallé Audiomesh que pour... Ah ouais, ils sont pas là. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a un flanger. Mais des fois, c'est des... On peut sculpter vraiment le son. On le voit, quoi, en fait. On voit les... Ah, c'est ça, il y a des boules, par exemple, dans une salle de bain. Là, je me suis contenté, sur une des sorties, de rajouter un flanger. Et voilà. Donc, vous voyez le principe. Donc c'est des outils assez simples à utiliser. Voilà. Voilà, ça c'était Audiomulch. Alors le site qui est là, je vous l'ai choisi parce que si vous vouliez en savoir beaucoup plus sur les synthétiseurs et comment ça fontctionne, les bases du MIDI, des choses comme ça. Voilà, là, montre vous avez un peu. Ouais, MIDI, c'est ce que vous voyez ici. Le MIDI du débutant, le standard général MIDI, c'est très bien fait. C'est très facile à comprendre. Vous avez tout sur les séquenceurs, le protocole MIDI, est-il toujours utile, l'enregistrement. Et puis sur les synthés, le glossaire de base du synthétiseur analogique, qu'est-ce que c'est, une attaque. Alors voilà, on voit le MS-20. Ça, on voit le MS-20 où on met des fils comme autrefois. Exactement. Pour le téléphone. Exactement. Donc là, vous savez. Ou dans les que jeux c'est... pour enfants. Quand on était enfant, tu te souviens qu'on avait un jeu comme ça? Il y avait des questions d'un côté et il y avait les réponses de l'autre et il fallait les lier avec un fil. Ouais. Tu te rappelles de ça? Je me souviens bien. Ouais. Et ça s'allumait en vert quand c'était bon la réponse. Voilà, c'est des jeux de boomer. Je vous ai parlé là. Je vous ai parlé à l'instant de l'ADSR, le Attack Delay Sustain Release. Bah voilà, c'est marqué. Ah oui, le granulateur, c'est celui que j'adore utiliser, mais je sais pas ce que je fais avec. Ouais, je connais bien celui-là. Je patouille avec. A comme attaque, D comme decay. Tout expliqué. Vous saurez tout. Donc c'est très bien fait. Donc, tout ce que Laurent a dit, c'est expliqué là. Voilà, tout savoir sur les filtres analogiques du Polymode. Synthé. Le filtre passe-bas, voilà, vous saurez tout. Voilà, vous avez un beau COBOL. Le COBOL. Voilà. Moi, je connais les noms, hein. Ouais. On n'a pas ça, évidemment, à la maison. On a, déjà, on a celui-là qui est pas à nous, en plus. Non, pas celui-là. Voilà, voilà. Il nous l'a prêté. Celui-là nous a été prêté. Donc, vous avez une petite idée de... Merci, Laurent. Mais de rien. Ah ben, c'était gentil. Ça t'a plu? Ben oui, tout à fait. Je sais pas si j'ai compris plus, mais... J'espère que si. Des petits bouts. Petit à petit, je comprends des petits bouts. On écoute la suite. Eh ben, on continue. Allons-y. Donc, on était dans notre septième idée. C'est ça. Septième thème de réflexion. Ah, pardon. Septième thème de réflexion, pas septième idée. Septième thème de réflexion, morphologie des objets sonores. Première idée, un appareil électroacoustique n'est pas directement un instrument de musique. Oh. L'homo faber est un expérimental, un manipulateur, parfois un bricoleur. Arrivé quelque part... Il jette les yeux autour de lui et gare à ce qu'il lui tombe sous la main. Ici, nous hésitons au seuil d'une porte, entre deux locaux que sépare une vitre. D'un côté, le studio, de l'autre, la cabine. Le studio recèle des vestiges du passé, piano, timbale, contrebasse. Et qui travaille au piano à cœur ouvert? C'est John Cage, attention, bricoleur fameux, doublé d'un musicien parfois génial. Du piano préparé, il joue ainsi. Alors, on va écouter avec lui un petit bout de piano préparé de John Cage. Donc, John Cage. Je suppose qu'une bonne partie d'entre vous savent qui est John Cage. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un musicien américain qui est très lié à l'histoire de Fluxus, donc à ce mouvement d'avant-garde assez important. Copain, en fait. Hein. C'est ça. Donc, il a expérimenté à peu près toutes les formes musicales. Des choses très simples. Ça peut être de la petite musique de chambre qui se fait juste à la bouche. Donc, des chants de voix, des chants à trois ou quatre voix, pardon, qui sont faits pour des gens qui ne savent pas chanter, mais qui peuvent chanter ensemble. C'est c'est chamber music, je crois, tout simplement. Ouais. Et c'est vraiment très, très chouette. Et c'est lui aussi qui acceptait complètement les bruits extérieurs et qui les intégrait dans
dans sa musique, ouais, ce qui est quand même une révolution. Bah, il est connu pour 4 minutes 33 à cause de ça, qui est une pièce qui fait rentrer tout le son du monde dans une pièce pour piano silencieuse. Moi, j'écoute souvent, je sifflote souvent 4 minutes 33 sous la touche. Pour faire référence à une citation de Jacques Chirac sur le marteau sans maître. De Boulez. Ouais. Sinon, il est connu pour ses Jardins de Ruwenji, qui sont des pièces assez méditatives. Il a fait très des pièces comme Four Six, des pièces numérotées comme ça pour objets qui se jouent au chrono. Et des pièces qui l'ont rendu célèbre quand il était assez jeune, c'est ce qu'on va entendre, c'est les pièces pour piano préparé. Il utilise un piano, droit ou pas, dans lequel il met des objets, il peut pincer des cordes, des trucs comme ça, pour multiplier les modes de jeu du piano, pour avoir des sons percussifs, des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, avec la harpe, je fais c'est souvent bon. Ça, je mets des petites pinces à linge, des petits trucs dans le... Oui, on prépare souvent nos instruments. Ouais, l'héritage de John Cage est très présent dans les musiques non idiomatiques. Ouais. Or, à peu près à la même époque, la danse des 37 doigts. Rue de l'Université, on bricolait aussi, mais des deux côtés de la vitre à la fois. Pierre-Henri, côté studio, jouait aussi du piano préparé, et moi-même, côté cabine, fuguait une gamme peu orthodoxe sur les tourne-disques de 1948. Ainsi fut confectionné ce que nous appelâmes modestement « bidule en ut ». Le fameux « bidule en ut ». Ça, on l'a déjà écouté ensemble, les bidules en ut. Exactement. On pouvait donc tenter de faire de la musique des deux côtés de la cloison, mais on pouvait en faire aussi au seuil d'une porte que jamais les bruits, semble-t-il, n'avaient pu passer pour accéder au domaine musical. Ce n'est pas là l'entrée des artistes, tout au plus celle des fournisseurs. Ainsi, le bruit frappe à la porte de la musique, la fait grincer, gémir. D'où l'ambition de domestiquer ces bruits, de leur imposer nos échelles. D'où l'idée apparemment logique, qui se révélera stupide, de faire monter la gamme à n'importe qui, à n'importe quoi. Ainsi ce chien devient bientôt un chien savant. Tentative navrante, justiciable de la fameuse sentence qu'en matière d'invention, on entre dans l'avenir à reculons. Bon, je ne vous cache pas que la première fois de ma vie que j'étais confronté à un digitaliseur sonore, à l'époque où nous avions des Amiga, la première chose que j'ai faite, évidemment, ouais, c'est ça. C'était de faire ça. Mais on rentre dans l'avenir à reculons. Non, mais c'est ça qu'il a dit. Trop tentant. D'un seul coup, on pouvait jouer du meuble, de la casserole, de la table, du bruit d'éponge. C'était difficile. Mais d'ailleurs, dans mon petit Casio, vous le voyez souvent si vous me suivez sur la chaîne, le petit Casio que j'ai acheté quand j'ai commencé à chanter, donc quand je savais rien du tout à la musique, il y a des bruits présélectionnés, des sons présélectionnés. Et il y a en effet le bruit mobilette, le bruit popcorn, le bruit... Il y a tous les instruments de musique, mais il y a aussi toutes sortes de sons marrants. Et en effet, avec les enfants, par exemple, faire les bruits de mobilette ou de cheval ou des... Voilà, c'est très rigolo. On peut faire de la musique avec des bruits de machin. C'est quoi Mario Paint? Un jeu vidéo ludo-éducatif sorti sur Nintendo qui fournit avec une souris à boules grises, deux boutons violets. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des modes de jeu de création. Ah, mais je ne connaissais pas ça. Merci, Lucie. C'est quoi, aérographe? Ça lui rappelle Mario Paint, le chien qui chante. Mais pourquoi? Ah, ben je ne sais pas. Il faudrait avoir joué à Mario Paint, je pense, pour savoir de quoi elle Alors, parle. Alors, ce Casio, c'est un synthé ou un clavier électronique avec des samples? Je pense que c'est clavier électronique avec des samples.
C'est un juste. Vous l'avez souvent vu, c'est celui avec lequel je travaille. Il y a plein de petites touches et tu as tous les instruments qui se. Tu as des numéros, tu sélectionnes des rythmes qui font ta 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 ta. Donc tu peux avoir des rythmes, tu peux avoir le. Oui, oui, c'est horrible. Quand ça se déclenche, la démo, c'est horrible. Tu peux avoir la moitié de ton clavier qui peut faire des rythmes ou des basses pendant que l'autre fait autre chose. Tu peux avoir toutes sortes de sons. Moi, je m'en sers qu'en mode piano maintenant. Mais plein de fois, l'autre fois, il y avait un enfant ici chez nous, ce qui n'est pas très souvent, mais un petit bébé. Et en effet, on lui a donné ça dans les mains et il a fait toutes sortes de musique avec, en appuyant au pif, tuc, 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 et ça fait des rythmes, ça fait des... Ah d'accord, on pouvait faire de la musique en plaçant des petites figures sur une partition et selon la figure, c'était un son différent, il y a un chien... Ah, d'accord. C'est génial, très c'est bien, un jeu des bien. Années quoi ça 92, d'accord. 92. Ah oui, on était... Ben oui, moi j'avais 20 ans, donc... Ça permettait aussi de faire du coloriage, d'accord. Donc j'étais loin, je faisais pas, je jouais pas. Non. Allez, on continue. Allez. De tels bricolages ne pouvaient qu'attirer le mépris des spécialistes. Et comment persévérer? Quels enseignements tirer de ces trouvailles, si vite soldées par un échec? Seconde idée, généralisation du musical. Les échecs qui précèdent s'expliquent fort bien. L'océan des sons devant moi, avait dit l'allemand Mager, cet océan, on veut l'épuiser à la petite cuillère. On jumelle imprudemment le concret et l'abstrait. Un bruit détaché au hasard de l'anecdote sonore ne saurait entrer si vite dans une structure musicale dont les normes ont été élaborées par des siècles d'usage. Exactement. C'est-à-dire, là, on touche à un point crucial de la notion d'invention, c'est-à-dire l'idée de refonder intégralement le contexte dans lequel il va pouvoir s'exprimer. Un des pires travers de la synthèse 3D, c'est d'avoir voulu être illusionniste. Ça n'a aucune sorte d'intérêt. Ouais. Les films qu'on regardera ensemble bientôt sont des films expérimentaux qui se foutent absolument comme d'une guigne de faire un dauphin qui ressemble à un dauphin, parce que qui en a quelque chose à carrer qu'un dauphin de la ressemblance et de l'imitation. Franchement, on s'en bat les steaks. Par contre, il y a un contexte nouveau pour penser quelque chose. Déjà, les modes de production sont des supports contextuels pour penser la poétique propre d'un nouveau cadre d'invention. Et puis détourner l'outil, c'est ce qu'on a envie de faire tout de suite aussi. Au départ, là, s'il s'agit d'une invention sonore, il s'agit moins de détourner cet outil que déjà le fonder en outil. Avant même d'avoir à le détourner, le fonder en outil, ça veut dire... ne pas le condamner, ne pas le subordonner à d'autres pratiques, d'autres outils, à d'autres champs dans lesquels d'autres outils se sont exprimés. Donc la question, à partir du moment où apparaît la possibilité, enfin le désir d'intégrer la matérialité du bruit dans le champ compositionnel, c'est de lui préparer un terrain d'expression et de pensée qui lui soit propre et qui ne doive rien, évidemment, aux structures historiques de la composition. Il faut tout réinventer, en fait, parce qu'il faut réinventer une écoute avant toute autre chose qui rende disponible pour ce renversement. Oui, puis il faut l'habituation. Il faut réinventer. Il y a des choses aussi, moi je vous en ai souvent parlé, c'est qu'il faut habituer l'oreille à des sons nouveaux. En fait, il faut carrément habituer l'oreille. L'oreille, elle doit s'accommoder. Donc, il faut tout recréer et aussi la sensation, même la sensation. Le naturel, ici, s'oppose au culturel. On trouve alors trois courants de pensée. Les bruiteurs italiens, naguère, voulaient incorporer le bruit à la musique. Les électroniciens, aujourd'hui, veulent le domestiquer, le soumettre aux paramètres dont on a parlé l'autre fois. Quant à nous, si nous pensons devoir généraliser les normes du musical, c'est à condition de limiter notre choix du sonore à ce que nous appelons les objets convenables. Voici de tels objets. C'est convenable. Ah, celui-là, j'aime bien. De tels objets sont aussi éloignés de l'anecdote naturaliste que du solfège de Dan Auser. Ils méritent d'être entendus pour eux-mêmes, car, pas plus qu'un son de violon, ils ne sont là pour nous renseigner sur des événements extérieurs à la musique. Il y a quand même une aporie dans tout ça, puisqu'il crée pour nous toute une série de leçons qui nous montrent que nous n'entendons pas ce que nous entendons. Donc l'idée même qu'il y ait un son plus ou moins remarquable pour ses propriétés, comment sensible, acoustique... Les sons convenables... Et étrange, parce qu'à vrai dire, s'il s'agit réellement de recréer complètement les conditions de l'écoute,
Alors, cette notion n'a pas de sens. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Il l'appelle convenable parce qu'il pense que dans un territoire où tout est inventé, il faut le déréférer. Oui, ouais, c'est ça. Il y a un premier travail de déréférence à faire. C'est ça. Il faut désapprendre des choses. Et c'est pour ça qu'il parle de Downhauser. Vous ne savez peut-être pas qui c'est. En fait, c'est le... Moi, quand j'ai commencé la musique, on m'a dit bah, « faut que tu achètes le livre rouge ». Du solfège de Downhauser. Et ce livre-là, il y a tout dedans, très bien expliqué. C'est la théorie, quoi. C'est le théoricien du solfège. C'est très bien expliqué, par contre. Hein. C'est pas du tout abscon. Si vous avez... Tu veux le montrer ? C'est Adolphe Downhauser. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux montrer oui, sûr, solfège ? Voilà. Donc, c'est le... Alors, c'est la théorie de la musique qui est trouvable sur... sur Wikisource, on peut voilà. trouver ça. Hein. Mais le bouquin n'était pas très cher quand je l'ai acheté, j'avais pas un cent, donc c'est un livre qui est tout rouge et qui est facilement, bon si on peut le trouver en ligne aussi, et là vous avez toutes les explications de tout, qu'est-ce qu'une gamme, qu'est-ce qu'un mode, comment c'est construit. Alors au début je comprenais rien, hein, comme tout, et puis finalement à force de le lire, parce que c'est des phrases très simples, c'est pas non plus infantilisant. C'est ni destiné aux adultes, ni aux enfants. Il n'y a pas de... C'est très bien pédagogiquement, en fait. Comme j'apprenais le solfège à Martenot en même temps, tout ce qu'on travaillait au niveau des sensations et de reconnaissance sensorielle à Martenot, j'avais les explications théoriques dans le Downhauser, parce qu'il il va expliquer vraiment... comment sont fabriquées... Il y a tout, il y a du rythme, enfin, il y a tout... Tous les sujets sur le solfège. Je vous conseille carrément de vous en encombrer parce que c'est comme un réduit de musicologie. Je pourrais aller vous le chercher, mais bon, ouais, le temps que je le retrouve là-haut. Qui est ? Non, mais il y a Suze et Sienouille, mais... Péné 11. Ah oui, le temps. Bah oui, c'est ça. Mais non, mais c'est au son aussi. Hein. Tout marche au son. Écoute tes pattes. Écoute Suze, tes pattes, elles chantent. Sont prêtes. Ah, c'est ça. Faut tout faire au son. Ils ne sont là pour nous renseigner sur des événements extérieurs à la musique. Se plaintant qu'ils soient trop riches, en voici de plus pauvres, mais plus dociles aux claviers numérotés des synthèses électroniques. Ainsi pourrait s'opposer, comme cela fut entre 1950 et 1960, deux généralisations du musical, l'une dite concrète, l'autre dite électronique, opposition stérile qui sera bientôt celle de deux esthétiques, alors qu'il s'agit pour le moment de technique. Comment user aussi habilement de ces deux sources, de ces deux ressources inouïes ? Quel est finalement leur point commun, leur commune méthode d'analyse ? Nous n'y parviendrons pas si vite, car avant de découvrir la seule notion essentielle qui puisse être commune à tous les êtres musicaux, celle de l'objet, il nous faut patiemment insister sur l'abandon de quelques idées reçues. Ah. Parmi ces adhérences, ces confusions, la plus redoutable est celle qui lie l'effet à la cause, la note à l'instrument. Ok, moi je m'arrêterai bien là pour faire soit des écoutes, ouais. soit une lecture. Ouais. Peut-être des écoutes. Des écoutes, ça te ouais. fera plaisir. Eh bien, on va se faire ça. Oui, elle doit manger des coquillettes, je pense. Mais moi, pour moi, je pense que les peinés, c'est très normé aussi. Ouais, c'est assez normé. J'adore. Hein. Moi, mes préférés, c'est les... Comment elles s'appellent ? C'est quoi la pâte acousmatique ? C'est l'orequiette. L'orequiette, ouais, l'orequiette, c'est les meilleurs. Tu sais, celles qui sont en spirale, mais très serrées, comment on les appelle ? Ah, c'est l'équivalent des tortinelli, mais très, très dense. Là. J'ai oublié comment ça... Ouais, et sinon, celles que j'adore et qu'on trouve beaucoup en Italie, mais je ne sais pas si on les trouve en France, elles ressemblent à du riz. C'est comme du riz, mais en pâte. Je te régale, Archène dit que c'est pas très gros, le Downhauser. Le sien a été acheté il y a 35 ans. C'est beau. Oui, c'est pas très gros. C'est un... Je peux aller vous le chercher, mais... Alors, on se fait un peu d'écoute. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça va être, cette écoute ? Bah, déjà, on va écouter un petit peu... C'est épais comme ça, à peu près. Voilà, c'est épais comme ça. Et les pages sont très aérées. C'est pas du tout... vous pouvez vous lancer dedans sans connaître la musique. Vous allez apprendre des trucs, c'est pas complexe du tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous a prévu ? Alors, je vous ai prévu ça, oui, c'est ça. On va commencer par un autre petit bout de Jean Schwartz sur Year of the Horse, donc l'année du cheval. Ensuite, de quoi ? Donc, qui est une pièce de 74, donc la grande époque de l'acousmatique du GRM. Hein.
On va écouter ensuite une pièce de 75 dans le plus grand album d'acousmatique de tous les temps, qui est De Natura Sonorum de Henri Parmigiani. Donc la pièce qu'on va écouter, c'est la première, qui est très très belle, qui s'appelle Incidence Résonance, que j'aime énormément. Après quoi, on va écouter Ainsi continue la nuit dans ma tête multiple, c'est-à-dire le presque rien numéro 2, je crois, de Luc Ferrari, en 1977. Ensuite, on va écouter un petit bout d'une pièce de François-Bernard Mache, hein, c'est un extrait de ses Moires, hein, qui est interprété là par le quatuor Arditique, un super quatuor à cordes, un peu moins pop que le Kronos Quartet, mais tout assez chouette. Et c'est une pièce de 94, donc une pièce récente dans la production de François-Bernard Mache, qui est un compositeur très riche, très varié, qui a énormément travaillé sur ce qu'on pourrait appeler de moderne transposition de la musique ancienne. Il a une relation très savante et très particulière à l'écriture de Bach, quoi, des choses comme ça, et à la possible revitalisation de ce tissu historique dans des constructions plutôt belles. Un peu comme Cyrano, enfin, il y a vraiment un rapport au passé qui est très chouette chez Mache. Donc on va écouter une pièce de 94, hein, et on va finir sur une pièce de la hippie de l'acousmatique. C'est pas une musique très... enfin, moi, elle me transcende pas, mais il y a une certaine grâce jolie aux pièces d'Eliane Radic dans sa trilogie de la mort, et on va écouter une petit bout du deuxième volume, de la deuxième partie, qui s'appelle Kailasha, je crois, de Radic, d'Eliane Radic, qui est une pièce donc de 98. Voilà, donc qui joue sur d'autres domaines de la construction sonore, qui joue beaucoup sur des drones très amples, tout dans les profondeurs, avec des micro-variations d'oscillation, des frictions comme ça, de fréquence, enfin, vous verrez bien. C'est typiquement de la musique pour faire, pour méditer. Alors on connaît, hein, l'empreinte du bouddhisme sur la tête d'Eliane Radic, donc évidemment ça se ressent beaucoup dans sa musique. Voilà. Ah, mais tu as sorti ton Dana Hauser. Donc voilà, c'est épais comme ça, il y a tout dedans. Donc je vous montre une page ou deux. Là, vous avez les gammes, les rythmes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc vous voyez, c'est pas non plus les chapitres avec, par exemple, les tessitures. Est-ce que vous voyez là? Je ne suis pas sûre. Voilà. Clint exige que les pattes soient... qu'elle soit faite dans des moules de bronze, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez tous les chapitres qui commencent par les notes, les clés, les mesures, le mode, les enchaînements, les gammes relatives. En fait, chapitre après chapitre, on apprend vraiment. Et donc, à l'époque, il coûtait... On ne sait pas. C'est pas le prix. Non, c'est pas le prix, c'est l'ISBN. C'est le code barre. Agnès était en train de lire le code barre, ce qui faisait un prix autour de 95 000 francs. C'était vraiment beaucoup. En fait, 23 millions, oui, c'est ça, oui. Bon, en tout cas, c'est une petite chose, non effrayante, et voilà, je vous le conseille carrément, il n'y a pas de... On peut s'en encombrer, même si on n'a qu'un livre de solfège chez soi, c'est celui-là qu'il faut avoir. C'est une sorte de bible. Donc, tu voulais nous passer... Dans les moules de bronze, elles sont plus poreuses. Et donc, ouais, c'est ça. Quand Laurent fait des pâtes fraîches, il ne les fait pas dans des moules, mais les pâtes fraîches, déjà, eh ben, elles sont bien nourrissantes. Hein. Elles prennent bien en mange deux fois moins. On a pu... De la forme d'Ambert. Dans des pâtes. Hein. Oui, l'Ambert des copains. Et des noix, c'est génial. Très bon choix. Allez, on écoute. Voilà, on y va. On y va et on commence par la petite pièce de Jean Schwartz. Donc. La deuxième partie de Year of the Horse. Thank you.
est en plat trip, en plat trip, ça pourrait ne jamais s'arrêter. C'est ça, c'est dur. Vous avez de la chance que je mange mes pâtes, sinon j'aurais clippé ça. On l'a échappé. Eh ben. Belle. On poursuit donc. Non, pas bah, on l'a échappé, François Bell. On va passer maintenant après Schwartz au magnifique Denatura Sonorum, Incidence Résonance de 75. C'est celui-là ton préféré? Du monde. Du monde. Ça a été mon ouverture à la musique acousmatique, ça m'a bouleversé. Bon, alors, un peu de sérieux et pas de critique. J'ai grandi à la musique avec ce qu'on va entendre. Ça, c'est très important. Choc dans mes oreilles avant de très découvrir grave, on touche pas. Génies. Moi, j'étais dans Mozart. D'un seul coup, paf. Ah oui, Mozart, en plus, c'est vraiment... J'ai 16 ans et je découvre ça. Bon, ça, j'ai pas pu vous le couper, c'est pas possible. Alors, est-ce que tu peux indiquer dans le chat, s'il te plaît, ce qu'on vient d'écouter? Ah, oui, ça oui, serait bien pour les gens, et puis peut-être mettre un petit lien. Alors, Bernard, par Medjani,
Bon, c'est très beau, Bernard Parmigiani, c'est De très beau. Natura Sonorum 1975. Voilà. Et pourtant, il parle latin. Hein. Oui. On va continuer donc avec Luc Ferrari. Et, ah oui, oui. Et, nous, on l'a même vu. C'est vrai. Oh, il était tout vieux, on l'a vu en concert. Et en fait, on a bien fait parce qu'il est mort pas longtemps après. Peu de temps après. Ah ouais. C'était génial de le voir. Trop bien. Alors voilà, après ces magnifiques pièces de Ferrari, on va passer à François-Bernard Mache.
et un extrait de ses moires hein, avec le Quatuor Arditi. Ah donc Clint, à chaque fois tu nous donnes, c'est très gentil, merci. Très gentil. Tu nous donnes à chaque fois les albums. Mandrake the Magician. C'est gentil. Ah super. C'est gentil. Bienvenue ici. Allez, on finit, donc, on poursuit donc avec François Bernard Mache, les moires. C'est très bien Bernard Mache, c'est très très bien. Salut à toi. Donc là, c'est une pièce très courte. Les moires sont dans l'ensemble plutôt des pièces. Agnès, hop. Ah, touche pas. J'étais juste en train d'écrire. Ouais, alors là, ça va pas du tout. Ah, j'ai touché. Ouais, là, il va falloir tout virer et mettre juste la dernière parce que t'as foutu le zbeul. Ah, j'ai touché. Putain, Agnès. J'étais en train de taper et il fallait non, mais pas. Mais faut pas faire ça au moment où. Ah. Ah là là là. Alors, est-ce que ça va marcher pas, j'espère. Je voulais dire que c'était très joyeux et très déstructuré. Donc là, on va entendre un petit morceau, un tout petit bout de la trilogie, du deuxième volet de la trilogie de la mort de Eliane Radic. Donc c'est une pièce plutôt récente, c'est une pièce de 98. Pardon, excusez-moi. C'est la pièce qui s'appelle Kailasha. Et donc là, on est plus dans des choses, on va dire, un peu caressantes, un peu simples comme construction. Mais si on accepte le contrat... du drone avec tous ses défauts, c'est-à-dire une incapacité totale à penser en dehors de la verticalité de la musique, une espèce de volonté d'hypnose qui peut être un peu fatigante parce que ça dépend des moments, des fois c'est agréable. Ça marche à tous les coups, si on ne prend pas beaucoup de risques avec ce genre de musique, c'est clair que vous n'allez pas soulever un sourcil de votre grand-mère avec ça, mais c'est pas mal. Eliane Radig est plus brillante que la plupart des compositeurs de drones électroniques de ce genre. Comme ça s'écrit. Ouais, c'est ça. Et la pièce est plutôt jolie, elle joue beaucoup sur les oscillations et les frottements des fréquences sourdes, sur une espèce de belle ampleur comme ça de la verticalité. Vous allez voir, c'est pas mal. Il faut que je puisse le lancer quand même. Agnès, qu'est-ce que tu fais ? Je suis sur ma chaîne. Ah ben oui. Je fais ce que je veux. j'ai touché au clavier. On peut y aller ? Oui, vas-y. Allez, prends la main de tu plus en plus. Tu peux taper tout ce que tu veux.
Voilà. Donc vous voyez un peu comment ça fonctionne. Il y a un travail sur une temporalité qui est pas celle du monde mélodique auquel on est habitué, donc qui permet pas de saisir un motif, qui permet même pas de saisir une structure, qui exige de vous une tension continue dans le développement du son pour percevoir lentement sa dégradation, son étirement et ses mouvements propres. Donc c'est un exercice d'abandon et d'ivresse aux propriétés du son et des ondes, à cette fameuse pulsation intérieure qui appartient au timbre même. Oui, c'est très apaisant, Stregal Arsène. Donc c'est une pièce qui dure 55 minutes, c'est pour ça que je voulais pas... On va pas l'écouter en ensemble, c'est quand même assez long, mais pour que ça fonctionne à plein, en fait, c'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est l'écouter... Comment tu m'as écrit ça? Ouais, je ne sais pas bien écrire. Alors, il y a un N en trop et un C qui n'est pas là. Hop, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça, je crois. En fait, tu mets ça pour dormir? Pour t'apaiser, peut-être? Non, je ne sais pas. C'est une situation d'abandon, en tout cas, à la musique, c'est sûr. J'imagine des gens dans une pièce avec des coussins et un casque sur les oreilles. Plein de coussins, des petites couvertures. C'est l'enfer, ce que tu me décris. C'est une thérapie de groupe, en fait. Ouais, c'est ça un peu. Non. Mais non. C'est ça, Kailasha. Kailasha. C'est quoi? C'est le nom de la deuxième partie de la trilogie de la mort de Gyanradin. C'est le nom, d'accord. Voilà. C'est le nom d'une déesse hindoue ou quoi? Je sais pas. C'est un trip bouddhiste de toute façon. Bah, ça ressemble. Hein, ça fait partie de... Bah, après, j'ai envie de faire un gong en faisant gling. Il y a eu plein de pièces, si ça vous intéresse, de voir qui a pu travailler sur cette pensée-là de la musique. Il y a des continuums de ce genre qui jouent beaucoup sur les longues séries de vibrato étirés comme ça. Vous pouvez entendre ça dans le Stimmung de Stockhausen. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est déjà des drones? On appelle ça déjà des drones? Non. Qu'elle fait elle, oui, tu peux tout à fait appeler ça. Ah, tu l'as trouvé. De quoi? L'album Clint, bravo. Ah d'accord, bravo. Oui, très très bien. Mais sinon, ouais, si vous connaissez pas ça, je peux vous en passer un tout petit bout. Que ça, c'est un truc que j'ai énormément écouté quand j'étais plus jeune. Il y a une pensée commune du son, sauf que c'est un travail uniquement sur la voix. Stimmung, c'est ça. Ouais, on le rajoute sur le. Oh, bah, si vous voulez, je peux vous mettre ça dans le. Tu veux écouter un peu? On écoute un peu? Un tout petit peu pour vous faire découvrir ça, voilà, que vous voyez un peu de quoi il s'agit. C'est quelle année ça? C'est dans les années 70, 68. C'est très fort. C'est très fort. Non. Ah ouais? Dans moi, c'est ça. C'est juste un travail sur les voix humaines. Il n'y a aucun autre instrument que les voix. Mao, Miu. Vishnu. Stimmung. Voilà. Donc j'adore. C'est le Stimmung pour six voix, un grand classique de Stockhausen de sa période hippie. Salut, bonsoir, Dr. Wack. C'est super bien. T'arrives à la fin de la session d'écoute. Et tu arrives, tu fais tout de suite une réflexion sur la musique, c'est ça? C'est ça, voilà. Tu vas être bien vu, toi. Tu vas être bien vu. Ouais. Bon, on a eu chaud pour les autres morceaux. Hein. Ouais. Donc, on va écouter la suite. On va écouter la suite. Voilà. On y va. On continue sur la nécessité de penser à un nouveau contexte, en fait, pour l'approche de cette écoute musicale. On y va. Troisième idée,
L'objet sonore ne doit pas être confondu avec le corps sonore qui le produit. Les quelques sons qu'on vient d'entendre proviennent du même corps sonore. Il s'agit d'une tôle couplée avec une corde tendue et attaquée soit par diverses maillotches, soit à l'archet. Il s'agit bien encore d'un instrument fournisseur de son, mais pas forcément d'un instrument de musique. En effet, il ne nous garantit plus par un registre calqué sur des structures conventionnelles des séquences d'objets ordonnées en valeur. Il faut bien comprendre que ce désir d'étendre le monde instrumental à des formes de son, à des objets sonores qui ne s'inscrivent pas dans la tradition du jeu au sens où on l'entend, mais qui permettent d'ouvrir au maximum les timbres, et parfois pour des réalités expressives, mais comme par exemple, c'est dans le ballet Parade de Satie, je crois, qu'il y a une machine à écrire et un pistolet. Bon, là, c'est plutôt une valeur anecdotique qu'une valeur quasi théâtrale du son. Mais chez Varese, je crois que c'est dans Équatorial, il avait travaillé à créer, alors je crois que c'est pour cette pièce, ça demande à être vérifié, mais dans une des pièces de Varese orchestrale, à créer un instrument qui fonctionne par un jeu de frottement sur une corde traversant une membrane pour trouver une ampleur, une puissance de son et puis un vibrato qu'il ne pouvait pas trouver avec un instrument classique pour le faire jouer avec le reste. Et tout ça habite la musique du XXe siècle, avant évidemment la musique concrète. C'est-à-dire l'idée, bon, il y a évidemment Russolo et les bruitistes, mais qui pour des raisons politico poétique avait décidé d'investir le monde machinique des bruits, mais il y a plein d'autres raisons pour le faire qui vont habiter le XXe siècle avant d'en faire une espèce de politique générale du bruit, telle que va l'ouvrir Pierre Schaeffer avec son traité des objets musicaux. Je sais pas comment on décrit chakra. Oui, ça ira. Il fournit au contraire une diversité considérable d'objets dont le disparate ne saurait être résolu par une identité originelle. Disparate, il nous faut l'apprécier dans sa variété, constater les différences de forme, de matière, d'entretien. Exerçons-nous ainsi à ne plus recourir aux causes pour confronter les effets et à découvrir dans les effets de la sonorité les critères de l'objet. Ainsi, les critères de l'objet ne sauraient être rapportés à ceux de l'instrument. Un son ne peut être qualifié en rien parce qu'il provient des vibrations du bois ou du cuivre, d'une corde ou d'une membrane. Donc il s'agit d'apprendre à dégager en fait du système des causalités pour ne pas infléchir votre approche du son, d'une part, mais pour ne pas non plus diminuer votre capacité d'écoute. Parce que le problème de ce rapport, on va dire, de contextualisation culturelle à la production du son, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure quand on parle du piano et du fait que dès l'instant où on s'arrache à la notion de jeu, eh bien, on entend le maintien de la percussion sous-jacent à la note. Eh bien, ça veut dire que tout préparatif d'écoute qui serait d'une certaine manière contaminé par une attente culturelle ne permettrait juste pas d'entendre la singularité de tel ou tel son. Donc, arriver à se dégager, en fait, d'une certaine manière de ces fameuses conditions, c'est, on va dire, un préalable vraiment nécessaire à commencer à penser l'objet sonore dans sa singularité et à écouter peut-être pour la première fois un son comme un ensemble de propriétés nouvelles, à la fois sensibles, poétiques et comme musicales. Intégrer le bruit dans le son, par exemple. Non ? Comme ? Comme d'intégrer le bruit dans le son ou d'intégrer, comme faisait Cage, tout ce qui vient de l'environnement sonore dans la musique. Ça fait partie de la transformation de l'écoute. Quand je disais « ouvre ses oreilles et tes chakras », ce n'était pas qu'une blague, en fait. Et intégrer le bruit dans le son, ça veut aussi dire, par exemple, savoir reconnaître une place non parasitaire
à l'existence déjà là, finalement, du bruit à l'intérieur du son. Donc écoutez d'une autre façon aussi la façon dont l'archet frottant avec la colophane la corde du violoncelle va produire toute une série de variations minuscules au moment de l'attaque, qui sont autre chose que la note, mais qui l'accompagnent systématiquement. Oui, ça fait même un petit frottement d'ailleurs. Hein. Mmh. Ça fait... Oui, c'est vrai. Ouais. Mmh. Tout l'intérêt est de comparer les objets qui se ressemblent, même s'ils proviennent de corps sonores différents. Rien ne vaut, pour oublier les provenances, l'anonymat de la bande magnétique. Elle va jouer désormais le rôle de la tenture de Pythagore, hein, qui masquait l'orateur, voilait son geste, ne laissait émerger que le sens. Là, on est sur la fondation même du terme d'acousmatique, donc ce théâtre du son un peu particulier, puisqu'il fait allusion à la tenture de Pythagore qui masquait le philosophe pour qu'on entende uniquement sa voix, l'idée étant évidemment que les élèves ne se laissent pas parasiter, parce qu'ils voyaient. C'est vrai que sur la parole. Après, on a été tenté de faire, tu sais, moi, j'aime pas trop l'idée de spectacle total, tu vois, quand tu vas écouter un concert et que tu as du spectacle aussi, de la lumière et tout ça. Moi, j'ai besoin vraiment d'être, vraiment de me recueillir pour écouter le son et je peux pas trop profiter du son pleinement s'il y a quelque chose qui me distrait. Mmh. Or, on a été vachement, les dernières années... vers de plus en plus de spectacles total et de tout stimuler dans tous les coins. Et moi, j'aurais bien besoin d'un rideau, des fois. Alors, en fait, c'est plutôt Socrate. Hein, mais on pourra en parler un jour, si tu veux. Mais pour les conditions physiques, pourquoi pas, oui. Mais la bande magnétique recèle un nouveau tirage. Il a tout inventé, Pythagore. Nous y tomberions si nous considérions l'enregistrement lui-même comme un objet, ou encore si nous confondions dans le même fragment magnétique de nouvelles causalités instrumentales face à de nouveaux objets possibles. Quatrième idée, l'objet sonore n'est pas non plus le fragment enregistré. Il y ressemble pourtant beaucoup. On croit le tenir dans le creux de la main et de fait, ce fragment relu à la même vitesse restitue bien le phénomène sonore initial. Ce fragment de bande magnétique n'est pas seulement une mémoire, il devient source et instrument, car si peu qu'on modifie les vitesses de lecture, le niveau dynamique, on crée grâce à lui d'autres objets, aussi divergents de l'objet initial, que pouvaient l'être les objets issus d'un même corps sonore. Vous voyez bien tout le caractère participatif du médium qui soutient la mémoire du son, qui l'enregistre, puisque dans le travail musical de Pierre Schaeffer et de tous les gens qui vont travailler sur les bandes magnétiques, elle est partie prenante dans la transformation du son. Voici la variante accélérée et ralentie. Voici un filtrage progressif qui balaie la masse du son de l'aigu au grave. Vous avez vu tout à l'heure dans l'exemple donné sur le synthé, la position du cut-off permet de changer le lieu où tu fais le filtre. Où on fait le filtre à partir duquel on tamise. Donc, si vous utilisez un filtre passe-bande, par exemple, eh bien, en déplaçant la petite frange du spectre qui va être celle qui passera à travers le tamis, vous pouvez obtenir ce genre d'effet. C'est-à-dire tout au long de la production du son, vous déplacez, comme je le faisais tout à l'heure avec les boutons, vous déplacez l'endroit passer telle ou telle partie du spectre. Quelle est cette parenté qui demeure entre ces objets, malgré leurs différences? C'est une parenté de forme et de matière. Forme et matière, tels sont les critères essentiels d'une morphologie du sonore. Cependant, à partir de la même bande, nous savons tirer des êtres dont la morphologie sera différente. Une variation de masse donnera un objet évoluant en tessiture. La matière du son aura perdu son critère de fixité. Mais de telles manipulations gardent encore un ou plusieurs traits communs avec le son initial. Des manipulations plus radicales le pervertissent.
peut enfin tirer de cette même bande, après découpage, transposition et montage, toute une séquence issue physiquement du même objet, mais qui n'aura plus avec lui aucune relation sonore ni musicale. C'est quoi qu'on entend là exactement? C'est toujours le même enregistrement. L'idée, c'est de faire la différence entre le fragment enregistré et l'objet sonore à proprement parler, c'est-à-dire voir où se situe finalement la notion de matériau, d'une part, qu'est-ce que c'est, qui est une notion extrêmement complexe parce qu'on ne sait pas où la situer, notamment parce que la question de matériau est une question profondément culturelle et discriminante. Et puis elle est liée à ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut appréhender, soit voir, soit toucher, appréhender, avec l'oreille. Ça suffit. Appréhender, ouais. Appréhender parce que... Et là, c'est compliqué de voir les frontières. Le terme de matériau, par exemple, ne nous dit rien du degré de complexité d'un objet. Mmh. Il ne devient matériau que d'être impliqué à un certain moment de la chaîne de production et d'être pris comme tel. Mmh. Comme l'étain, le fer, le cuivre. Non, c'est un geste de décision. C'est pour ça que je parle bien de degré de complexité. Par exemple, quand tu fais des collages visuels, ton matériau, ce sont des magazines. Mais comment on peut décider que c'est un matériau puisque pour le photographe qui a fait la photo, c'est pas du tout un matériau, c'est un produit fini. Ouais. C'est ton geste qui décide que dans la chaîne de production qui est la tienne, cette chose-là s'appelle matériau. Eh bien, le fragment enregistré de tel ou tel son, il s'inscrit dans une chaîne de travail où à un certain moment, il va falloir situer la pensée de l'objet entre les mains et pouvoir définir aussi dans quelle espèce de cadre de travail et de cadre de production va se situer la matière première, c'est-à-dire la chose pas encore achevée depuis laquelle tu travailles. Et là, on voit bien que la petite pièce enregistrée de telle ou telle chose, donc par exemple, il a produit un son à partir d'une plaque de tôle frottée avec un archer, l'enregistrement qui en est donné n'est pas l'objet sonore. Il y a encore un long chemin à faire pour produire les objets sonores, c'est-à-dire les formes complexes dont ceci n'est finalement qu'un moment du son. Et là, ce qu'on a entendu, c'est comment, à partir de ce même enregistrement, ce même fragment enregistré, avec tout ce qu'on peut faire dessus, avec les filtres que l'on utilise, les ralentissements, dont les passe-bandes, finalement, c'est pas très différent de tout ce que j'ai fait subir à mon courant électrique tout à l'heure. Sauf que bon, c'est dans la musique électronique, on n'affecte que ça. On affecte un signal électrique, c'est lui qu'on tripote. Là, ce qu'il affecte, c'est ce qu'on peut appeler un matériau, alors qu'il y a déjà atteint un gros niveau de complexité. Et c'est là, évidemment, où c'est une décision culturelle, parce que si tu fais de la musique de ce qu'on appelle le field recording, si tu fais de la musique donc de composition de pièces enregistrées, d'assemblage, de collage, de collagiste sonore, tu ne vas rien faire de plus que ça. Donc tu arrêteras, on va dire, la chaîne de désignation de cet objet comme matériau plus tôt dans la construction, et son statut d'objet, tu l'inventes par ta pratique même. C'est ça qui change beaucoup la situation. On pourrait reprendre ce qui a été fabriqué avec du matériau et en faire un matériau. Complètement. Tu touches exactement à cette difficulté qui est vraiment juste conceptuelle, finalement, de poser ontologiquement le matériau. Il n'y a pas de matériau ontologique, en fait. Il n'y a rien qui soit par nature un matériau. Oui, c'est pour ça tout à l'heure que peut-être c'était fautif ce que je disais, mais... Quand tu parles d'un matériau, même dans la vie pour construire, tu peux toujours dire qu'il y a de la brique, mais dans la brique, il y a ça, ou dans le verre, il y a le sable, enfin, dans le cuivre, il y a, dans le fer ou l'étain, il y a tel matériau. Complètement. Mais tu peux toujours aller plus loin pour dans le matériau. Pour produire une brique, il faut des matériaux. C'est ça. Et la brique devient un matériau de construction. Oui. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, tu as raison. Oui, bien sûr. Cinquième idée, ne pas confondre objet sonore et objet musical. Un objet sonore se délimite par sa cohérence causale. Il coïncide avec la courte histoire d'un événement acoustique. Mais l'unité de l'objet musical n'est pas assurée pour autant. C'est ainsi qu'une tôle frappée sur sa tranche produit l'objet suivant dont on ne saurait nier l'unité sonore. On remarque aussitôt que cet objet sonore contient au moins deux objets musicaux qui répondent cette fois à notre jugement musical le plus spontané. Cette séparation mentale en deux objets ne tient pas à la nature des choses, et nous aurons même un certain mal à la réaliser physiquement par filtrage. Ouais, c'est un plus filtrage culturel, là. Conservera oui, pour ça, lui oui. Les principaux critères d'attaque. La percussion. Un
un filtrage posé ne conservera guère que la résonance grave. Là aussi, on est dans la décision, mais aussi dans ce que j'appelais tout à l'heure les facteurs psychologiques, c'est-à-dire, ou même de subjectif, c'est-à-dire que, au sens psychanalytique pour le coup, c'est-à-dire que finalement, ce qui va nous faire décider ce qu'on entend et le séparer en plusieurs objets musicaux, 3, 4, en fait, ça pourrait être 3, 4, 5, 6, en fait, c'est aussi notre degré de connaissance de la musique. Par exemple, un musicien, et même différents musiciens, un musicien qui jouerait du violon, puis un autre qui jouerait du cor, et un autre qui jouerait du tambourin, ils ne vont pas définir dans ce son qu'on entend forcément les mêmes choses, les mêmes endroits, les mêmes objets musicaux. Ils auront aussi une habituation à leur objet musical à eux. Et d'ailleurs, on voit ça quand on apprend un nouvel instrument. Au début, même si on est déjà musicien, son instrument, son son, on ne le connaît pas. Par exemple, quand tu commences à jouer de la harpe ou du violoncelle, bah, au début, vaut mieux pas acheter un instrument. Parce qu'en fait, ton oreille se forme en apprenant et en apprenant à reconnaître ces sons-là et à les apprécier. Et puis, tu vas avoir des goûts qui vont se développer. Je pense que quand on entend un son comme ça, tu prends une personne, elle entendra trois sons musicaux dans cet objet sonore. Trois objets musicaux, ouais. Ouais. Mmh. Moi, par exemple, j'en entendrai trois ou quatre. Et puis un autre, 3, 4, et ça va dépendre de notre construction subjective, je pense, et en tant que musicien ou pas. Oui. Il y a peut-être même des gens qui entendront que un objet musical. Ils en feront un tout. Ils vont pas découper l'attaque. Il faut déjà une connaissance musicale ou une grande écoute pour dire ah là il y a une attaque, là il y a une résonance, là il y a des harmoniques. Tu vois, on pourrait séparer les harmoniques, on pourrait séparer énormément toutes les notes de la gamme, etc. Je voulais juste dire ça. Non, c'est bien. Oh, oui, tu as raison. C'est le moment de rappeler que les manipulations physiques ne garantissent en rien les effets musicaux. Pour un tel son, la transposition réussit, mais nous restons toujours surpris par les rapports qu'elle introduit dans les composants de l'objet. Méfions-nous aussi des découpages temporels. Un aimant brisé en morceaux donne plusieurs aimants. Ainsi, un objet sonore fractionné en trois donne trois objets nouveaux qui possèdent aussi chacun début, corps et chute. Sixième idée, objectivité de l'objet. On reconnaît en effet bien volontiers que chaque écoute est différente pour diverses personnes et même pour les diverses écoutes de chacun. Il nous faut alors affirmer l'objectivité de l'objet, c'est-à-dire que quelque chose dans l'objet résiste à ses approches, demeure inébranlable, permet à divers auditeurs comme à diverses écoutes de confronter autant d'aspects qu'il y a eu de visées portées sur lui dans les multiples attentions ou intentions d'entendre. Faisons-en l'expérience. En répétant deux fois le même objet, objet apparemment assez simple, en réalité plus riche à la seconde écoute. Ça, pris dans la résonance, hein, à la première écoute, on ne fait pas forcément attention au roulement de maillotche qui est pris dedans. Et à la deuxième écoute, on est comme familiarisé avec cette empreinte sonore dans laquelle on est prise. On a cette espèce de, on pourrait dire, d'espace immersif. Et du coup, on distingue. Et du coup, on commence à distinguer les nappes sous-jacentes. Là aussi, quand je parlais tout à l'heure de s'habituer, d'habituer son oreille et tout, quand un son se fond dans un autre, tu n'arrives pas à les distinguer. Et là, même sans voir, même avec un rideau, on finirait par entendre la maillotche se distinguer de plus en plus.
Oui, complètement. Comme tout à l'heure quand tu disais que on n'entend plus la respiration du violoncelliste ou le frottement de la corde, mais en fait si tu te focalises dessus, tu n'entends que ça. Tu peux entendre un concert de feu et quand tu écoutes un violoncelliste jouer. Nous allons alors nous efforcer de souligner tout ce qu'il peut y avoir à entendre dans un tel son. Fabriquons diverses variantes du son qu'on vient d'entendre, mettant tour à tour en valeur tel ou tel de ses caractères. Veut-on, par exemple, insister sur la forme générale de l'objet ? N'insistons plus maintenant sur la forme. Nous voulons au contraire apprécier sa masse. La voici étendue, plus épaisse. C'est parfait. Veut-on souligner à présent le critère de grain ? On trouvera à la fois dans les pulsations de l'entretien et dans le scintillement de la résonance. Voici les deux aspects du grain artificiellement renforcés. Donc le fameux effet de Mayoche, quoi, c'est ce qu'il appelle la pulsation dans l'entretien. Donc l'entretien, c'est le sustain de tout à l'heure. Veut-on maintenant qualifier le timbre harmonique ? Voici une variante où il change de couleur. Veut-on remarquer que ce son possédait une allure assez discrète ? La voici exagérée. Veut-on récapituler enfin ces divers caractères, un peu grossis chacun ? Voici une variété plus appuyée. Donc là, il a appuyé la totalité, des caractéristiques qui avaient été dégagées, dans une espèce de puissance expressive, mais qui finalement neutralise toute la finesse du travail préalable par une espèce de, on pourrait dire, d'imposition monumentale. Quoi. C'est pas ça, très ouais, c'est pas une toujours bien. Discrète, donc c'est une discrète, c'est une bande de punk. Merci, Sus, pour tes blagues. Mais je crois que t'as encore faim parce que tu continues à parler de farine. Tu n'arrêtes pas de parler de bouffe depuis le début de la soirée. Ça ne devait pas suffire tes pâtes, à mon ami Sus. Hein. Je crois que t'as vu c'est un peu l'œil sur la porte. Il faut que tu en refasses. Je pense que t'as vu trop court. Hein. Ce qu'on vient de réaliser par des manipulations artificielles, des coups de pouce opératoires, ne répond qu'à un but pédagogique. Il préfigure les coups d'oreille, chacun plus attentif à tel aspect, qu'une série d'écoutes porte au même objet. Des Septième coups d'oreille, idée, comme des coups d'œil. Morphologie interne de la note complexe. Les exercices précédents sont ceux d'une morphologie de l'objet sonore à propos des variantes d'un même objet. On doit s'exercer de même sur des objets différents. On échouerait cependant avec des objets trop disparates. Autrement dit, une morphologie réclame une certaine harmonie de caractère dans le type examiné. Mais qu'est-ce qu'un type d'objet ? Que sont les objets de même type, sinon ceux qui ont en commun certains traits morphologiques ? Morphologie et typologie se renvoient donc l'une à l'autre, ne peuvent s'élaborer que par approximation successive. Faisons grâce à l'auditeur des longs cheminements que nous avons dû connaître pour le conduire d'emblée à la case centrale de notre typologie. Elle est occupée par un type d'objet répondant à la dénomination de note complexe. Qu'est-ce qu'une note complexe ? Ne confondons surtout pas note complexe et percussion.
des sons entretenus répondent aussi bien au même type de notes complexes. Oui, notons que ça pourrait être d'ailleurs le même son dont il a truqué l'attaque, par ailleurs. Elle n'est pas forcément oppositionnelle, elle est impliquée dans le son précédent. Ce type d'objet répond alors à deux critères. C'est une note, c'est-à-dire une forme fermée, et c'est une note complexe, c'est-à-dire dont la masse occupe dans la tessiture un emplacement fixe, quoique non tonique. Le même type comprend alors des sujets plus pauvres et des sujets plus riches, critères de matière. Ces sujets présentent des profils dynamiques plus ou moins originaux, critères de forme. Là, quand on touche indirectement à ce dont on parlait tout à l'heure, sur les variations entre l'attaque et le decay, on peut, avec exactement le même corps timbral de base, quoi, juste avec l'affectation de l'enveloppe, arriver à un changement complet. Complet, ouais. C'est ça qui devient complexe quand tu, justement, quand tu tritures le son. C'est que tu n'arrives plus trop à savoir ce que tu as trituré et tu changes tellement, ton son se modifie tellement que... Bah, j'espère qu'avec la démonstration tout à l'heure, quand même, sur l'affectation d'enveloppe sur un seul son un peu linéaire, j'ai bien fait comprendre la différence entre le travail sur les filtres. Bon, d'accord, il cohabite et il pense avec l'enveloppe, puisque le filtre a lui-même sa propre enveloppe, mais il permet de mieux savoir à quiconque va approcher le synthétiseur, enfin, une espèce de partition du travail à faire. Oui, quoi. N'hésitez pas à aller dans, au lien que Laurent vous a indiqué tout à l'heure pour en savoir un peu plus sur les synthés. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Donc, là, on est au bout de la septième idée, c'est ça? Ouais, septième idée du septième thème de réflexion. C'est-à-dire la morphologie. On est en train de travailler sur, après avoir fait le timbre aujourd'hui, on est en train de faire la morphologie. Donc, on peut dire que ce soir, c'était spécial timbre. Hein. Voilà, on a fait le septième thème de réflexion. Je ne sais pas si le CD3 commence. Non, il reste sur ce thème de réflexion. Alors, le CD3 commence sur la huitième idée, morphologie externe, ensemble d'objets. D'accord. Donc, on a commencé par la morphologie interne du son et on va voir la morphologie externe, ce qu'on pourrait appeler la morphologie quasiment orchestrale, quoi. C'est comment on produit des timbres orchestraux, c'est-à-dire un timbre complexe par la cohabitation des objets sonores et par leur arrangement entre eux. Tout à l'heure, ce que j'ai fait avec deux oscillateurs, c'est ça. Quand je passais au mixage et que je faisais valoir tantôt l'onde carrée, tantôt la sinusoïdale, et puis hop, que ces échanges se passaient, et je construisais finalement, ça sortait du même synthé, mais au fond, j'ai joué avec deux instruments. Voilà, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Voilà, toi, t'es au bout, t'es à morphologie en ce moment. Et ben nous aussi, on est un peu oui, nous aussi, là, je commençais à... Je pense que, on a... Je commençais à être un peu fatiguée, mais Laurent voulait aller au bout de la septième idée pour pas couper au milieu d'une idée. C'est pas vraiment ça. Je voulais surtout arriver au bout du CD2. Ça me paraissait bien. Ça me paraissait un motif intéressant. Attends, il y a... Au bout du CD2, qu'est-ce qui paraissait bien. Ben, j'entends en décalé... T'es pas obligé. Il suffit d'enlever ton casque. Ah, ben, je pourrais pas savoir. Ouais. Et voilà. Touche pas à ton casque. Touche pas à ta souris. Touche pas au clavier. Quoi? Franck Brusset étant... Ah, génial! Et ben voilà, pour une fois, on va pouvoir faire un... Ah oui, c'est super, On va aller voir Franck. Allez, salut Franck. Voilà. Alors, on va le saluer pour ceux qui sont encore là. Alors, donc, ceux et celles, à moins que vous ayez des questions à poser, les ozos, et dans ce cas-là, faites. Dépêchez-vous à ce moment-là, parce qu'on va lancer un raid. On va sans doute lancer le raid. Parce que là, moi, je tombe de sommeil après toutes ces musiques. Il y a Agnès qui tombe de sommeil, donc... Du coup, cette série stream est vraiment super. Merci beaucoup. Ah, aussi. Cool. Je suis contente. On est content que ça vous donne envie d'écouter des musiques aussi. Des musiques qu'on n'écoute pas forcément. De toute façon, on ne les entend pas à la radio. Hein, en tout c'est cas. Ça. Même sur France Musique. Non, c'est vrai. Salut, bon, écoutez, Clint. Moi, je vous embrasse. Vous êtes encore une dizaine, donc c'est très suffisant pour faire parti. Un raid digne de ce nom. Et allez dire au moins faire un petit bisou. 5 spectateurs. 7. Vous êtes 8. 8, génial. Il va être content. On va essayer. Cool. On va quand même dire bonjour. Nous, on va dire bonjour et puis on va s'éclipser parce que...